Wow.
T'amènes ça sur nous autres. Amène la caméra sur nous. Ouais. Bon, ben Patrick, un match ultime, c'est pour ça qu'on aime jouer au hockey. C'est pour ça que les entraîneurs carburent, Dominique Desmarais, hein, ceux-là. Puis, il y a beaucoup de gens. Hein, on est sur semaine, beaucoup d'étudiants, l'équipe de football, les jeunes. Écoute, le centre sportif qui est plein comme à peu près jamais. Donc, ça va être intéressant. Là. Ça va être un très, très bon match. Je suis convaincu que les deux équipes vont être prêtes pour un match ultime. C'est toujours plaisant. Puis depuis le début de la série, les deux premiers matchs ont été très serrés, fait que je m'attends encore à un match serré ce soir. Les deux équipes qui, curieusement, l'équipe qui a imposé le rythme n'a pas gagné. C'est vrai, tout à fait. C'est bon dans l'envers, dans les deux matchs. Oui, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et pendant qu'on voit là, les Cougars qui embarquent sur la patinoire, les partisans qui vont les pousser comme ça, et espérons-le jusqu'à la victoire, mais ce qu'on souhaite, Patrick, le plus, c'est qu'à la fin de ce match-là, il y a une des deux formations qui va accrocher ses patins. Il y a des vétérans qui vont jouer leur dernier match. On souhaite qu'au sortir de la patinoire, ben, que des deux formations, déjà, on a fait de notre mieux, le meilleur à gagner. Tout à fait, exactement. Mais on va avoir un penchant du côté des Cougars, c'est certain. Ben, écoute, on regarde la présentation des alignements partants et on revient avec la présentation du match. Puis avec Patrick Joncor, mon nom est Rémi Meunier, on est en direct de l'Arena. Jean-Éric Molson de l'Université Bishop à Lennoxville. Sans grande surprise, Patrick, on revient avec les deux mêmes gardiens qui ont très bien fait jusqu'à maintenant. Tout à fait, tout à fait. Deux belles performances de gardiens, les deux matchs, donc tout à fait normal qu'on revienne avec eux. Voilà, je crois. Eh bien, bon match, mesdames et messieurs. Les joueurs qui ne sont pas des alignements partants vont regagner leurs bancs respectifs. Et ce sera le début des hostilités entre les Cougars du Collège Champlain et les Griffons du Collège de l'Outaouais. Et Patrick, ben, on verra si y a aucune des deux formations qui doit soit dans un cas laisser les jambes dans l'autobus et dans l'autre dans le vestiaire. On doit imposer le rythme dès le départ. Oui, puis je m'attends à ce que les Cougars l'imposent très rapidement. Je sais qu'au dernier match, ils ont eu l'avantage sur les Griffons, ça n'a juste pas viré en leur faveur, mais je m'attends à un très, très gros début de match de leur côté. Au dire même de l'entraîneur, le gardien La Fontaine a été fumant lors du dernier match. Et écoute, ben, et de l'autre côté, Pagé a été très, très bon aussi. C'est 75 tirs à peu près là, lors du dernier match. Au total, les deux gardiens, bon, 50 d'un côté, 25 de l'autre, mais il y a quand même seulement un but qui s'est marqué. Là. Exact. Donc, les deux gardiens qui font le travail. Et on sait, dans les séries, de temps en temps, le gardien doit aller en chercher une. Tout à fait. Ben, mettons que du côté de La Fontaine, c'est fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, c'est parti pour ce match où l'une des deux formations va accrocher ses patins ce soir. On revient vers l'intérieur.
McGilvey remet contre contre le tir. Le retour. Et bien, l'arrêt du gardien dès le départ. McGilvey, Picard attaque la défensive adverse. Et déjà une bonne chance de marquer, Patrick. Oui, exactement. On a vu un bon lancer de Picard avec le retour qui est revenu par la bande. On a été agressif sur le retour aussi, avec une bonne chance de compter en partant. Et McGilvey, un de ceux là, qu'on dit qu'en série, pourrait venir justement brouiller les cartes. Verono est un de ceux-là également, qui aime jouer avec des enjeux. Ouais. Alors, Rondette qui revient à Picard. Picard, attention, vers l'intérieur. Une passe qui est un peu vive, là. Rondette qui va revenir derrière pendant qu'il y avait un changement qui est un peu laborieux du côté des Cougars. C'est Plouf qui s'amène maintenant dans la mêlée. Il est derrière le filet avec le disque. Il sera à l'origine de la relance. Plouf remet du côté droit. Berger qui glissait la rondelle devant. C'était pour Sirois. Ça reviendra à la ligne bleue. Verono. Verono s'avance, remet dans l'enclave, c'était pour Clément. On revient, on soutire immédiatement le disque. Berger lance, un tir, c'est bloqué en défensive. Et les Cougars démarrent cette première période avec des intentions, Patrick. Oui, exactement. On sent un peu les griffons nerveux. On a vu le revirement en zone à la ligne bleue, à leur propre ligne bleue, qui a donné quand même encore une opportunité aux Cougars. Là, fait, là. Et un jeu qui sera refusé aux Cougars. On va revenir en territoire des locaux. Eh bien, dès le départ, Patrick, l'entraîneur Dominique Desmarais sera satisfait là, de la sortie des blocs de sa formation. Après 1 minute 15, là, il doit être satisfait, certain. Là, on a une chance de compter déjà en partant le match, donc c'est de bon augure. Alors qu'on voit, il y a de l'ambiance, là. On fait la vague. Il y a une belle foule ici ce oui. soir. Rondelle qui est amenée à la ligne bleue. Côté des Griffons, on replace le disque en fond de territoire. Rondelle qui est débattue et s'est récupérée en défensive. Et là, ben, à la ligne bleue, c'est Payet qui a fait fin de lancer. C'est récupéré derrière par Berger. On ira à corridor gauche pendant qu'il y a une pénalité qui est appelée. Là. Disque contre qui sera récupéré, Payet, oui. Donc, une reprise du premier match. Ouais. Il y avait eu 8 pénalités contre les Cougars, contre une seulement. On se souvient que le désavantage numérique avait fait un excellent travail. Ouais. Et on ne peut pas dire que ça a été des pénalités qui n'étaient pas, méritées. Là. Les officiels, exact. À mon point de vue, les officiels avaient fait un très bon travail. Ouais. Et ce que j'ai particulièrement apprécié des officiels, c'est qu'on a été constant du début à la fin, allant même jusqu'à appeler une pénalité en prolongation. Ouais. Et l'équipe en désavantage numérique a marqué. Mais on a été constant et c'est ce qu'on veut voir des arbitres. Ouais, exactement. De toute façon, là, pour un entraîneur, c'est facile de s'ajuster, puis de, pour les joueurs aussi. Oui. Là, dure mise en échec, la lourde rampe, dégagement qui est complété. Joueur qui est resté sur la patinoire. Je crois que c'est Martine qui a été blessé sur la séquence. On l'a étampé, là, littéralement. Est-ce que c'est Martine? Non, c'est plutôt Gagnon. Gagnon qui avait eu un bon match. Ici et là, ben, est resté sur la patinoire, possiblement. Peut-être une dislocation de l'épaule ou quelque chose du genre. Là. Ça a été un bon contact, légal. Ouais. Pas rien vu d'illégal dans cette mise en échec-là. Mais... Non, et c'était pas très violent non plus, mais parfois l'épaule, ça prend pas un gros coup et parce qu'on est un peu mal placé. Là. Exactement. Et là, ben, malheureusement, Gagnon qui a été, comme je le mentionnais, là, un joueur qui avait bien fait lors de la dernière rencontre ici. Je dois avouer que je n'ai pas vu la rencontre là-bas à Gatineau, puisque il y avait un match ici de hockey féminin. Patrick, tu es au courant? Patrick, ouais. Patrick est l'entraîneur de l'équipe féminine, mène 1-0 contre John Abbott. Donc, une très bonne sortie également là, de la part des filles. Mais une série, ça aussi, qui est loin d'être terminée. Là. Très loin d'être terminée. Un premier trio là, du côté de John Abbott, du côté féminin. Incroyable. Qui est... quand on dit incroyable, effectivement, là, c'est tout un casse-tête. C'est un des beaux trios que j'ai vu au niveau collégial, beau féminin. Puis, et ils peuvent être très dommageables. C'est pour ça qu'il faut bien jouer sans la rondelle contre elle. Oui. Effectivement. Et on a vu d'excellents trios. Je me rappelle, à l'époque où Limoilou était dominant, ben, on aurait très bien pu laisser les défenseurs au vestiaire tellement ils étaient dominants, mais c'était... À une époque où il n'y avait pas, et là, ben, on voit là, un petit peu comme je le croyais, c'est l'épaule gauche, Gagnon qui retraite au vestiaire.
possiblement une soirée de travail terminée. Quoique, j'ai déjà vu dans mon jeune temps des joueurs qui avaient les tendons un peu lousses. Ouais. Alors, au vestiaire, rembarquait ça. Un puis, bon taping, sur ouais, on repartait. Alors, le capitaine Paris au cercle de mise en jeu devant Picard. Et Picard a le meilleur. On reviendra derrière. Et c'est un dégagement qui, attention, un rebond favorable pour les Cougars à Poirier qui s'est fait soutirer le disque. Rondelle qui est remise à Talbot. Talbot s'amène en territoire offensif. Talbot tentait de remettre devant, récupère le disque. Toujours en possession de la rondelle, contourne le territoire, remet en haut territoire. Ça revient à Talbot à gauche. Talbot de l'autre côté, la transversale pour Paris en haute territoire. Maintenant pour Cousineau et à nouveau pour Talbot. Là, ça a été dévié, un bon bâton de Poirier, mais on a joué de chance un peu. Le Clotier qui a réussi à récupérer cette rondelle. Un tir, le retour, et on a marqué. Sur le retour. Donc, sur le retour, Pagé qui avait fait l'arrêt. Une rondelle qui est passée pratiquement à travers lui. Là. Ouais, c'est ça. Okay. Je croyais qu'il avait fait l'arrêt. On va le voir sur la reprise. Donc, une rondelle qui va être amenée au filet. Donc, on revient avec Talbot. Un tir. Il n'y a pas d'écran devant lui, en plus. Mais c'est sur le retour. Ouais, on ne voit pas la rondelle sur le filet, mais... Une rondelle qui avait des yeux. Alors, but en avantage, Eric. Je me souviens le dernier match. Et ici, les Griffons avaient pris l'avance 2-0 aussi. Oui. Rondelle qui est amenée dans le coin, là, c'est Martine qui devance son adversaire. Les deux joueurs qui croulent, ce sera récupéré. Et l'officiel finalement qui protège les joueurs, on va rappeler le jeu. Rondelle qui était à proximité des joueurs qui étaient au sol. Donc, on reprend à la gauche de Pagé. Et on essaiera peut-être un peu plus tard de revoir cette reprise-là pour voir où était la rondelle parce que écoute, moi, de la façon dont je voyais le jeu, j'étais certain que c'était fini. Là. Exactement. Il a sûrement passé peut-être sous ses pads. Ou... Rondelle qui est à la ligne bleue, là, c'est récupéré par Lemay. Là, encore une fois, là, bonne mise en échec d'Alpé cette fois-ci. On revient le long de la rampe pour Lampe. Transversale, et il y aura mise en jeu à l'entrée du territoire. On a devancé le porteur du disque. On va reprendre... À l'entrée du territoire des Cougars avec 16 minutes 50 secondes à faire. Ben, les Cougars qui ont pêché et ont payé. On est passé à la caisse. C'est pas le même scénario qu'au dernier match où le désavantage avait fait un excellent travail. Là, sur le... On se rappellera ici les cinq premiers avantages numériques qu'avaient eu les Griffons. C'était allé nulle part. Ouais. Mais les sixièmes et septièmes, c'était le temps que ça finisse. Il était plus dangereux. Oh oui. Donc, en effet, Picard là, qui tente de récupérer le disque. Et on aura une relance du côté gauche avec Girard qui pousse plus loin. Évite la mise en échec. Et c'est allé jusqu'à Prudhomme qui rate son tir. Prudhomme qui entendait des pas. Là, on s'en rappelait rapidement sur lui. Un bon bâton défensif de Tremblay qui va amener le disque jusqu'à Granger. C'est capté du gant par McElvey. McElvey tente de revenir vers l'intérieur. Et là, on l'a fait chuter. Il y aura avantage numérique. Et Cousineau n'est pas tout à fait d'accord avec l'appel de l'officiel. Honnêtement, je pense qu'il y a un argument qui se tient. Parce que le joueur qui coupait vers l'intérieur a perdu ce pied. Ouais, c'est le mouvement des bras. Hein, fait que, ouais. L'arbitre où il était placé, il a vu ça. Puis il a décidé d'appeler la punition. Ben, avantage numérique pour les Cougars qui ont donné un but en désavantage numérique un peu plus tôt, ben, ont l'opportunité de se refaire, là, Patrick. Et cette fois-ci, c'est une mise en jeu qui est gagnée par Paris, qui est presque devenu un tir au bout de son gardien. Dégagement qui est complété aussitôt. Et on va reprendre avec Plouf. Plouf remet, lui, du côté de Clément, qui pousse plus loin. Sirois, le vétéran, va venir récupérer dans le coin. Sirois, toujours en possession de la rondelle, dirige le disque plus loin. Ça va aller à la ligne bleue. Belfin décide de Berger, là, qui se donne de l'espace. Berger, un tir, c'est bloqué en défensive. On lui soutire le disque et dégagement qui sera complété par Clotier. Plouf va venir récupérer loin dans son territoire. Pendant que son gardien Pagé, lui, il fait signe que des changements sont appelés. Et c'est Tremblay, Matisse, celui-là, qui va venir récupérer le disque. Et là, ben, on verra si on peut s'installer et venir alimenter le franc-tireur.
Mathis Tremblay qui a tout un plomb. Là. Oui. Et là, on revient vers Poirier. Poirier qui hésite, va diriger le disque jusqu'à Dion. Il remet la rondelle à Lanou. Lanou qui perd le disque. Et ce sera repris par Julien qui va sagement, ben finalement, va suffisamment ralentir pour être devancé par Parence à droite. Julien est un de ceux qui a connu également là, de bonnes présences pour les Griffons lors de la dernière visite, justement. Évidemment, ben, les Griffons, c'est un scénario qu'il en espérait pas tant de marquer tôt dans le match et de venir calmer un peu la foule qui est ici. Là. Donc, on a sorti l'arrosoir et on a mis ça sous l'eau froide. Tremblay. Tremblay qui est en territoire neutre. On va diriger le disque vers Poirier. Poirier, placement de rondelle. En fond de territoire, Dion s'avance. Dégagement qui est complété jusqu'en territoire neutre. Et ce sera repris le long de la rampe par Dion. Dion qui va pousser le disque pour lui-même et placer la rondelle en fond de territoire. Tout le monde sera devancé par Payet. Ici, c'est Picard qui vient intercepter. Bon bâton encore une fois en défensive. On a bien joué là. Et c'est récupéré par Girard qui va tout simplement dégager. Et encore 15 secondes à faire à l'avantage numérique. Le temps d'une dernière attaque. Là. Tremblay. Tremblay qui s'amène en territoire. Ben là, Tremblay qui... On perd le disque. Et là, ben, quelques bonnes mises en effet qui se sont échangées. On revient le long de la rampe. Chute et attaque qui se poursuit avec McElvey. McElvey, de l'autre côté pour Langlois. Langlois, un tir. Ça a été bloqué en défensive par Chénard qui n'a pas hésité lui à se mettre devant la rondelle. C'est récupéré maintenant et replacé le long de la rampe. Cronwall qui intercepte. Attaque qui se poursuit. Placement de rondelle en fond territoire. Granger va venir la récupérer sur la rampe opposée. On revient dans le coin. Disque qui est amené maintenant à la ligne bleue. On s'échange bien la rondelle. Langlois, là, maintenant, qui va d'un tir. C'est dévié. Le retour. Deux fois, trois fois, le gardien fait l'arrêt. Et on a bien réagi en défensive. Mais les Cougars qui sont quand même venus récupérer cette rondelle. Mais le gardien qui a été vif, là. Exactement. Belle réaction de sa part pour effectuer l'arrêt. Alors, les Cougars qui, encore une fois, excellente chance de marquer. Mais La Fontaine est intraitable. Qui est récupéré au territoire, ça reviendra derrière et c'est Sirois qui va le reprendre. On s'échange le disque derrière. Berger ramène cette rondelle à Clément. Clément en territoire offensif. Clément là, tente de revenir vers l'intérieur, mais on voit encore une fois belle structure défensive. Il y a beaucoup de chandails blancs. Un tir. Ça a été dévié en défensive. Il y aura autre pénalité. Les Griffons. Donc, les Griffons appelés pour obstruction. Eh bien, ce que ça indique, Patrick, c'est que ça va vite. Lorsque l'équipe adverse, comme ça, prend des pénalités pour obstruction, pour accrocher, eh bien, parce que, honnêtement, avec ce qu'on a vu des deux formations, les Griffons jouent très bien, mais avec trois parties très rapprochées, je pense que les Cougars ont un peu plus de profondeur que les Griffons. Je suis totalement d'accord avec toi. On va espérer que la deuxième avantage numérique des Cougars soit plus efficace que la première. Ils n'ont pas été capables de s'installer lors de la première. Même les placements de rondelles qu'ils faisaient, ils ne récupéraient pas les rondelles. Alors, on remet derrière un tir pour Tremblay. Ça va aller dans le coin pour Poirier. On va dans le coin opposé. Picard remet derrière à Dion. On reviendra en haut de territoire pour Tremblay. Tremblay, un tir de Dion. C'est dévié. Et une rondelle qui est passée par-dessus le filet. Encore, on n'est pas capable d'acheter un but. Quelle chance. C'est très, très bien fait. Et encore une fois, on a amené la rondelle sur Tremblay pour amener du trafic sur lui. On sait qu'il a un tir très puissant et ça a ouvert les lignes de passe. Et on a bien joué là-dessus. On relance maintenant avec Plouf qui reviendra dans le corridor droit. Mais encore une fois, une passe qui manque de précision. La marche complète le dégagement et on va reprendre avec Plouf à nouveau. Rondelle qui est maintenant en jeu. On va s'amener en territoire neutre, corridor gauche. C'est à la faveur de Berger qui s'est avancé un tir que le gardien fait dévier. Dans le coin, là, petite feinte, on revient vers Clément. Clément conserve bien le disque, remet à... C'est Sirois qui s'était maintenant dirigé dans le coin. Plouf maintenant, en haut territoire. On vient, revient à Clément. Clément qui s'est battu à deux reprises avec la rondelle. Là. Ça revient à Clément. Clément, de l'autre côté, c'est pour Véronneau. Véronneau, une feinte, pivote sur lui-même, remet à Clément. Clément cherchait vers l'intérieur, mais Sirois n'a pas convergé vers l'enclave. Là. On remet à Plouf. Plouf, un tir.
C'est le retour qui revient, là. Et encore une fois, là, le gardien et le défenseur qui ont réagi rapidement. On revient en territoire neutre avec Plouf. Plouf va s'amener en territoire offensif. Plouf pousse le disque en fond territoire. C'est Clutchy là, qui a hésité un peu. Il réussit tout de même à récupérer, mais c'est intercepté dans le coin. On revient maintenant à Véronneau. De l'autre côté, le filet qui est complètement vide. Et encore une fois, Clément qui jongle avec la rondelle et n'arrive pas à marquer. La rondelle est un peu derrière lui. Il a été obligé d'allonger les bras, ce qui fait qu'il n'a pas été en mesure de prendre un bon contrôle rapidement pour prendre... Un lancé dans un filet qui était complètement vide. On va voir désert. Ici, regarde, le filet ouais. Complètement vide. On remet à Clément. N'a pas été en mesure de contrôler cette rondelle. Et la passe de Véronneau était excellente, là. On avait ouvert la transversale. Les enjeux gagnés. Ça va à Tremblay. Un tir, encore une fois. C'est l'arrêt du gardien La Fontaine. Mise en échec le long de la rampe. On revient derrière à Tremblay. Remet-lui à Langlois. On revient vers l'intérieur. Lanoux qui voit la rondelle passer par-dessus la lame de son bâton. Martin est venu frapper Langlois, là. Disque qui est débattu derrière le filet. Ça revient à Tremblay. Tremblay, un tir. On remet devant. Et là, c'est dévié. Et ça a touché Cousineau, là, qui a été blessé au pied là-dessus. Langlois remet du côté de Tremblay. On remet la rondelle en fond territoire. Picard qui est là. Picard est frappé. Remet à Lanoux. Lanoux tentait le côté rapproché. Ça lui revient. Lanoux dans le coin. À la ligne bleue pour Langlois. Langlois de l'autre côté pour Tremblay. Un tir. Et encore une fois, c'est le gardien. Et Patrick, j'aime beaucoup ce que je vois des Cougars pour l'instant. On ne se complique pas la vie. La rondelle qui se déplace rapidement et on tente d'amener des disques au filet et de venir déranger le gardien de but. Déranger le gardien de but, essayer d'avoir des rebonds aussi. Puis tantôt, j'ai pas haï ce que Lanoux a fait au niveau de la ligne des buts. Se rapprocher puis essayer la partie supérieure. Le gardien n'était pas le haut du filet était dégagé. Fait qu'à des fois, ça peut fonctionner. Et mettre la rondelle à côté du filet puis prendre le rebond. Ouais. On a vu à deux, trois reprises, ça a fonctionné. Ouais. Donc, à défaut d'avoir la ligne directe, on va y aller avec une bande au side, comme on dit. Oui, exactement. Alors, attaque des Griffons, un tir qui est hors cible. Une rare incursion des Griffons en territoire des Cougars, là. Mais les Griffons, tout de même, qui mènent 1-0. Dalpé va s'amener en territoire offensif. Revient vers l'intérieur. Perd le disque. Encore une fois, on voit la structure défensive. Revirement. C'est capté, ça, par Cronwall. Cronwall qui tente de revenir vers l'intérieur. Rondelle qui lui revient. Cronwall, petite séance devant. Il vient dans l'enclave. Mais il n'y avait plus personne pour recevoir. Là. Rondelle qui est récupérée par Prudhomme. Qui va tout simplement placer la rondelle en fond de territoire. Et écoute, pour l'instant, là... Les Griffons ne peuvent pas vraiment faire beaucoup mieux que ça. Gèlent le centre de la patinoire et ramènent les Cougars dans leur territoire. Les Cougars qui imposent le rythme là, depuis pratiquement tout le match. Tout à fait. Et ce qui est amené le long de la rampe, on vient barrer la route à Berger. Et attention, là, on va s'amener Kourou qui remet vers l'intérieur. C'était pour Paris. Bon travail en défensive. Picard qui... Il va nous relancer là, mais un bon bâton de Girard. Bon effort. Oui, il est venu soutirer le disque à Picard. Compteur de la Ligue 2, ça revient à Paris, le capitaine qui va s'amener en territoire offensif. Place la rondelle en fond territoire. Et là, ben, il sera devancé par Plouf. C'est remis à Berger. Berger qui ramène cette rondelle le long de corridor gauche. Mais McElvey, lui, vient se cacher derrière son filet, mais il y avait quelqu'un qui l'a trouvé. On revient maintenant de l'autre côté. Ça va aller dans le filet protecteur, donc on va reprendre en territoire neutre. Sur la dernière séquence, j'avais cru remarquer pendant la période d'échauffement que le capitaine Paris, qui a été également un élément important pour les Griffons, avait les jambes lourdes un petit peu. Sur la dernière séquence, il avait l'air d'avoir un piano sur son dos. Ah ouais. Mais comme tu le mentionnes, je pense que la profondeur des Cougars va être payante bientôt. Rondelle qui est amenée en fond territoire et ce sera refusé. Au Griffon, on va revenir près du gardien La Fontaine. Les deux tirs au but seulement pour les Griffons. Les deux ont été en avantage numérique, il me semble. Sur un but et l'autre là, qui a été pris. Et on a 5 tirs au but du côté des Cougars, mais les rondelles dirigées vers le filet, parce que c'est une statistique qu'on regarde également. Il y en a pas mal plus que ça. Oui. Il y a eu beaucoup de lancers qui ont été déviés, bloqués. Ouais. Et dans les chances de marquer, ben, les Cougars, on peut en compter au moins 3. Là. Ouais. Rondelle qui est amenée. Alors, Langlois s'est avancé. Et bel arrêt, encore une fois, de La Fontaine. On avait vu Langlois s'amener là, directement dans la diagonale. Une belle exécution. Dans le coin, on bataille à 4.
Ça revient Verano qui saisit le disque. Vraiment Clément. Clément, un tir. Le retour. Et finalement, ben, c'est le gardien Lafontaine qui immobilise le disque pendant qu'on revient vers l'intérieur. Il y aura pénalité là-dessus. Là. Je crois qu'on va pénaliser le joueur des Cougars qui s'est amené sur Lafontaine. L'officiel qui semble suffisamment le pointer du doigt pour lui dire, regarde, c'est toi, là. Et c'est le capitaine Sirois qui sera amené au banc des pénalités. Ben, c'est sûr qu'écoute, 50 tirs et le gardien n'a pas cédé. Et là, ben, encore une fois, là, il y a eu depuis le début du match plusieurs excellentes chances de marquer. On vient d'en avoir une très, très bonne. La encore une fois. Encore bien sorti son filet pour couvrir là. Donc, évidemment qu'on va tenter de déranger le gardien de but. Pour l'instant, cette série-là, là, elle est signée par le gardien de but. Les enjeux gagnés par les Cougars, Tremblay tente le dégagement et ça va aller à Laroche. Laroche qui revient vers l'intérieur, perd le disque, ça sera récupéré par Talbot. Talbot, bonne feinte, dirige le disque vers Paris. Paris, le long de la rampe, remet derrière, c'est à la faveur de Julien. En haut territoire maintenant. Clotchy qui remet à Talbot. À Clotchy à nouveau, en haut territoire. Un tir. Et là, le retour. Et là, bonne chance de marquer. C'est Picard qui va dégager. Mais on a trouvé la ligne de tir. Et toute une chance de marquer de la part des Griffons qui ont passé bien près d'en inscrire un deuxième. Là. Qui est récupéré maintenant par Clotchy. Clotchy, un tir. Bloqueur défensif. Ça lui revient. Derrière pour Paris à Talbot maintenant. Talbot, il va d'un tir. Et on avait convergé vers le devant du filet. Le bon travail passe de Julien. À nouveau à Talbot. Talbot remet derrière. C'est pour Clotchy. Clotchy, un tir. Bloquant défensif. Ça revient à Paris. On revient maintenant à Talbot. Talbot cherche la ligne de tir. Et bon travail de Clément là-dessus. Dégagement qui est complété. Excellent travail de Benjamin Clément là-dessus. Qui, avec McElvey, vient compléter le dégagement. On est revenu de l'arrière sur le porteur du disque. Et on devra peut-être être un peu plus agressif sur le porteur de la rondelle, Patrick. Oui, tout à fait. C'est mon espace. Alors, bonne mise en échec de Granger sur Prudhomme. Prudhomme qui récupère cette rondelle, remet derrière à Payette. Payette, va d'un tir, bloquant défensif. Ça va long de la rampe. Langlois s'avance. Du bout du bâton, fait dévier. Attention, possibilité de surnom. Ben non, c'est récupéré par First Lens. First Lens, va d'un tir, bloquant défensif. Récupéré par Cromwell. Et là, ben, c'était pour Granger. Ça a passé tout juste au bout de la lame de son bâton. Granger qui se serait échappé. Là. Granger qui remet loin dans son territoire. Et ça va mettre un terme à cet avantage numérique où les Cougars sont passés bien près d'aller prendre visite à Lafontaine. Ouais. Dégagement jusqu'à l'autre bout. Et on est revenu à force égale, Patrick. Donc, au moins une excellente chance de marquer de la part des Griffons. Mais pour le reste, les Cougars se sont bien défendus. Exactement. Bon, des avantages numériques. Tremblay là, qui cède le disque à Dion. Dion va remettre du côté de Poirier, mais une passe qui était entre ses deux patins. Donc, jeu qui sera refusé. On va revenir à la droite du gardien, Émile Pagé. Ben, les Cougars qui maintiennent le rythme. Et lors de la dernière séquence, je crois que c'est peut-être ce qu'il faut faire pour venir contrer l'attaque massive des Griffons. Peut-être mettre un peu plus de pression là, sur le porteur du disque pour le forcer à agir plus rapidement. Oui, on peut mettre un peu plus de pression pour juste faire attention parce que quand même, les Griffons ont bien bougé la rondelle à certains moments. Il ne faut pas trop se compromettre. Faut pas aller toucher le numéro. Ouais. On va sortir du jeu, ça c'est sûr. Ouais. Donc, la rondelle qui est captée au vol au centre. On remet à l'âme qui ramène les Cougars dans leur territoire. Tremblay. Tremblay reprend. Tremblay va remettre derrière. Dion qui voit la rondelle passer devant lui. C'est Poirier qui va la récupérer. Remet un peu loin pour Dion. À la ligne 2, c'est capté par la marche qui ramène les Cougars dans leur territoire. Pendant que dans le coin, là, on s'échange quelques coups d'épaule. Et là, ben, c'est Perslens qui a fait piquer du nez un peu. Picard, rondelle qui est de retour au centre du territoire. La marche reprend et on ramène les Cougars dans leur territoire. Ben, peut-être une première étape soutenue de la part des Griffons depuis le début de la période, il y a déjà 15 minutes de passé. Dans le coin. Longue passe maintenant, c'est dévié par Clément, ça ira jusqu'à l'autre bout. Et ce sera récupéré par Perslens. Sirois s'amène sur le joueur des Griffons. Talbot récupère. On remet vers l'intérieur et c'est dévié pour Paris. Paris
qui est dans le coin. Un tir côté rapproché, ça rate la cible. Ce sera récupéré par Talbot. Talbot replace le disque vers Julien. Julien protège bien la rondelle, pivote sur lui-même. C'est bien, bien essayé là, de la part du joueur des Griffons. Mais ça revient vers nous. Clément maintenant reprend. Clément s'amène en territoire offensif. Clément remet derrière et c'est intercepté. Bien lu là, là-dessus par les deux joueurs des Griffons, là, Paris et Talbot. C'est Paris qui s'amène en territoire offensif. On vient de barrer la route. On doit le récupérer par Plouf qui remet immédiatement vers Sirois. Les transitions sont rapides encore aujourd'hui. Remet vers l'intérieur. Ça a été dévié. Ça va faiblement jusqu'au gardien Lafontaine. Et on va reprendre à sa droite. Les transitions défense-attaque du côté des Cougars sont encore très bonnes, Patrick. Très rapide. On essaie de prendre à contre-pied l'adversaire pour créer des surnoms, essayer d'avoir des chances de compter. Du côté des Griffons, on voit que leur échec avant, c'est un joueur, un attaquant qui y va. Les deux autres sont beaucoup plus hauts et attendent de voir s'il va avoir une bagarre un contre un pour pouvoir avoir le deuxième attaquant qui descend. Donc, on attend vraiment de voir si la rondelle, si elle va être... Oui, ben on est patient, on attend les erreurs. Les erreurs, exactement. Et jusqu'à maintenant, ben ça a payé. Attention, Cronwall. Cronwall, un tir. Bon bâton de clocher en défensive qui fait dévier. Rondelle qui ne s'est jamais rendu jusqu'au gardien. Tremblay. Tremblay, il va d'un tir de loin. Ben, ça a dévié sur le gant de Lafontaine. Un tir, par contre, qui n'était pas cadré. Dommage. On ne sait jamais. Oui, bien, écoute, on envoie une rondelle vers le filet. On ne sait jamais quand exactement. Ça va pogner un arbre. Puis de... Comme on dit, Patrick, c'est pas comment, c'est combien. Oui, exact. Prends-moi le cercle de mise en jeu. Ça va aller dans le coin pour clutcher. Ça va de l'autre côté. Là, ben, ça a frappé de la neige parce que ça aurait été un dégagement, ça. Tremblay va reprendre. Moins de 4 minutes à faire maintenant ce premier engagement. Ah. Okay, mauvaise pénalité. Ah, ouais. Très mauvaise pénalité, les couleurs. Talbé là, dans un jeu qui... pénalité inutile. Ouais. Ouais, exactement. Alors, Victor Talbé qui n'était pas dans l'alignement lors du premier match. Eh bien là, il n'a pas aidé sa cause. Non, non, non. Certain que Dominique ne doit pas être content de cette position-là. Avec une attaque à 5 du côté des Griffons qui est quand même bonne. Là. Ah oui, on vient de la rondelle tantôt. Là, sans une chance de compter 2-0 au but, je pense. Lui, hein. Pendant qu'on va chasser Chénard du cercle de mise en jeu pour amener Paris. Rondelle qui est reprise par Julien, remet derrière ses clochers qui revient sur ses pas. Directement dans l'enclave et maintenant à Talbot derrière. Talbot transversal vers Paris. En haut territoire pour clutcher, clutcher. Hésite, tire, le retour. Et là, ben, on s'amène rapidement sur le gardien Pagé. Là, qui revient. Non, transversal, c'est bien passé pour Julien. Et là, Talbot qui rate sa chance et on partira avec Sirois et Picard. Sirois revient vers l'intérieur. Sirois remet le disque derrière. Et c'est repris par Plouf qui complète le dégagement jusqu'à l'autre bout. On est venu chercher quelques secondes là-dessus. Rondelle qui est récupérée par Clutcher. Encore une 14 à faire à l'avantage numérique. Clutcher qui regarde à sa gauche. Talbot, Talbot qui va placer la rondelle en fond de territoire. Pagé l'intercepte. Remet à Berger. Et maintenant pour Clément, attention, le Granger. Granger qui s'avance. On est à 2-1. Granger freine de l'autre côté. Et là, on tire par-dessus le filet. Clément et Granger, l'attaque à 4. Et on va voir ici, belle transition encore une fois. On remet vers Granger et le 2-1. On voit ici, on a joué mollement du côté des Griffons. Là. Une passe qui est amenée à Clément. Clément qui va y aller d'un tir. Le haut du filet est ouvert. L'intention était bonne. Oui. Juste pour toucher le filet. Et Clément rate tout juste la cible. Et ce qu'on vient de voir sur la dernière séquence, ça annonce un peu ce que pourraient annoncer les deux prochaines périodes. On voit des jambes un peu plus lourdes du côté des Griffons. Alors, on verra ce que ça va donner. Là. Les Griffons qui, heureusement pour eux, ont pris les devants 1-0. Mais on voit, je vois l'entraîneur Jonca du côté du football qui construit ses victoires. Là, va chercher ses victoires au quatrième quart en ayant le que j'appelle la goutte. Là. Donc, le marteau-piqueur, on frappe, on frappe, on frappe.
Alors, les Cougars pourraient peut-être appliquer la même stratégie parce qu'on ne voit pas de ralentissement là, du côté des Cougars. Il y a peut-être un seul joueur qui se bat avec la rondelle un peu aujourd'hui. Là, c'est Clément qui semble avoir un peu plus de difficultés. Mais pour les autres, on a de la vitesse. Là. Oui, exactement. Je pense que c'est une question de temps. Il ne faut juste pas tomber dans la frustration parce que ça va faire près de 78 minutes qu'on n'a pas compté de but. Mais t'as les chances sont là. Là. Fait quand tu as tes chances, ça s'en vient. Oh, oh attention, revirement. Là. Ouais. Comme la paillette à la ligne bleue. Puisque, il circule bien encore une fois. Et là, transversal, c'est bien intercepté. On repartira. On remet à Cronwald. Cronwald vers l'intérieur. Et c'était. Et là, ben, il y a une chute juste dans l'enclave. Et encore une fois, on ne se gêne pas pour attaquer la défensive des Griffons. On a une excellente vitesse, une transition qui est rapide, donc on essaie d'en profiter le plus possible. Et encore une fois, Patrick, il y a quelques séquences où on voit les joueurs des Griffons prendre l'information. Et il y a une petite fraction de seconde avant que les pieds se mettent à bouger du côté des Griffons. Ouais, alors, c'est pas nécessairement bon non plus. On l'a vu sur la dernière chance de l'offensive. Alors, on devra... si la tendance se maintient, ça va prendre un peu d'opportunisme du côté des Griffons pour garder les Cougars à distance. Derrière à la marche, territoire neutre maintenant pour l'homme qui remet bien fait là, vers Britt. Vers l'intérieur, on tentait le côté rapproché. Là, nous remet vers l'intérieur. Encore une fois, là, si cette rondelle était sur la lame du bâton, on partait à 3 contre 2. Là. Poirier. Poirier remet derrière. C'est pour Trembler. Une passe à Picard. Picard qui connaît vraiment un bon premier 20 pour les Cougars. Là. Oui. Dès sa première présence, là, on sait c'est lui avec ses coéquipiers qui était venu menacer. Là, l'équipe adverse. Je pense qu'il n'y a pas de demi-mesure avec Picard. Non. Lanoue maintenant. Lanoue dans le coin. Un tir côté rapproché. Il rate la cible. Et ça ira en territoire neutre avec Berger. Par la rampe, on remet à Picard. Picard glisse la rondelle immédiatement à Poirier. Poirier. Rodenfeld revient. Remet à la ligne bleue pour Berger. Berger qui avait convergé vers l'intérieur. Rondelle qui est passée derrière lui. Ça devient un dégagement en faveur de l'équipe adverse. Moins d'une minute à faire en première période maintenant. À nouveau, on s'amène avec Clément. Clément, il va d'un tir. Rondelle qui reviendra le long de la rampe opposée. Plouf. On remet vers l'intérieur. Rondelle qui s'est rendu jusqu'au gardien. Disque qui est ramené maintenant vers Julien. Vers l'intérieur, c'est Perslins. Perslins qui remet vers le capitaine Paris. Vers l'intérieur. Et encore une fois, on voit la transversale. On demande aux joueurs de converger, de faire dévier. Mais la défensive qui a bien réagi encore une fois du côté des Cougars. Tout à fait. Puis quand, ça, c'est Plouf qui dirige le disque à Berger. Et à nouveau vers Sirois. Sirois en territoire offensif. Sirois toujours en possession de la rondelle. Sirois qui cherche des amis, là. Et on revient vers l'intérieur. Et finalement, ben, c'est bloqué en défensive. Il y avait seulement Verono qui était là. Disque qui a touché la structure. Et avec 5 secondes à faire, on aura droit à une mise en jeu en territoire offensif en faveur de l'équipe locale. On a vu encore sur la dernière séquence des Cougars le lancer qui n'était pas cadré. Je pense qu'on oublie le message. On veut battre le gardien. Dans le haut du filet, mais il va falloir s'assurer de toucher quand même le but pour avoir des rebonds. Puis parce qu'on a quand même une bonne intensité pour aller chercher des rebonds de la part des Cougars ce soir. Alors à l'entracte, j'ai rencontré les deux entraîneurs. On commencera cette fois-ci avec l'entraîneur Dominique Desmarais. J'ai rencontré juste avant le match et on fera entendre l'entraîneur des Griffons au deuxième entracte. Ben, après 20 minutes de jeu, Patrick... les Griffons qui ont pris les devants 1-0, mais l'avantage, on peut quand même donner un certain avantage aux Cougars. Tout à fait. On verra ce que ça va donner au deuxième. Oui. Donc, on est en direct de l'aréna de Eric Molson de l'Université Bishop à Knoxville. Mon nom est Rémi Meunier. Je suis en compagnie de Patrick Jonca pour la présentation de ce match entre les Cougars du Collège Champlain et les Griffons du Collège de l'Outaouais. Dominique Desmarais, un match décisif. C'est pas vraiment surprenant là, de voir les deux formations. Écoute, deux matchs, là, moins de. Ben, il n'y a pas eu deux buts d'écart. Donc, après le temps réglementaire, il n'y avait même pas assez de buts pour faire un mètre. Ouais. Donc, c'est pas vraiment surprenant de voir les deux formations venir à un match ultime. Là. Non, du tout. Il n'y a pas d'espace à glace. Les deux équipes, ils bataillent fort.
Comme tu as dit, c'est des matchs qui sont serrés. On s'attend à la même affaire pour un match ultime comme ça. Pour nous, c'est ce que je disais cette semaine, c'est quand même, on voit ça plus comme un privilège qu'une menace. Ben oui. De pouvoir, tu sais, le hockey, c'est des événements, c'est des, fait que d'avoir la chance, tu sais, ces gars-là, c'est des compétiteurs. Puis d'avoir la chance de jouer chez nous, une game qui a vraiment un impact sur le futur de notre saison. C'est quand même une chance. Là. Fait que nous, on s'est préparé en fonction de ça. Puis on le savait, là, puis encore une fois, je veux revenir, je parle souvent de ça, de la parité dans la ligue, mais si on regarde toutes les autres séries de la première ronde, c'est allé en trois dans certaines séries. Ça a été des matchs, la majorité en supplémentaire, donc serré. Fait qu'on n'est pas, on n'est pas à l'exclusion de ça, si on veut. Là. On est là-dedans, fait qu'il faut se battre. Et des gardiens qui ont été bons également, parce qu'écoute, dimanche, vous auriez pu gâter, c'est une cinquantaine de tirs. Ouais. Bon, il devait au moins en avoir deux, trois là-dedans qui auraient pu rentrer. Là. Ah, puis de l'autre côté, à peu près 25 tirs, un peu moins, mais même à ça, un seul but donné par les deux gardiens, c'est 75 lancés, ça. Des gardiens qui font le travail. Oui, effectivement. Les gardiens, les défenseurs aussi, ouais. qui sont capables d'éliminer le rebond puis de l'envoyer à l'extérieur de la zone payante. Donc, pour nous, ça va être un petit peu partie du plan de récupérer ces rondelles-là avant le défenseur. Mais effectivement, que les deux gardiens, les défenseurs, les défensives, si on prend Outaouais, c'est une équipe qu'on respecte beaucoup. C'est une équipe qui joue en haut de la rondelle et qui ne donne pas beaucoup d'espace dans leur zone, surtout pas dans la zone payante. Donc, nous, c'est à nous autres de trouver des façons, justement, de gagner notre positionnement puis d'avoir ces rondelles libres-là. Puis aussi, d'être en mesure de déranger peut-être un petit peu plus la défensive là, en attaquant le dedans de la zone puis en étant devant les rondelles pour être capable de forcer le gardien à bouger puis d'avoir un petit peu plus de difficultés à contrôler ses retours. Là. On a parlé également à quelques reprises, on l'a fait en onde, on l'a fait à micro fermé également, de la constance de la défensive. Mais lors du premier match ici, là, écoute, c'est un match quasi parfait. Là. On a imposé le rythme dès le départ. On a vu beaucoup de relances, des passes qui étaient précises. On a donné quelques chances de marquer, mais sur l'ensemble du match, une défensive qui s'est drôlement bien comportée. Oui, absolument. Puis je dirais que ça a été la même chose deux jours plus tard en Outaouais. La relance, on a compté beaucoup là-dessus, d'être capable justement de gagner la prochaine zone, avec de la vitesse. On parle souvent de notre profondeur en défensive. Fait que de voir nos arrières se comporter comme ça dans des matchs qui comptent, puis dans les séries en fin de saison. Même que je dirais dans la saison aussi, vers la fin, là, surtout là, dans les trois, mettons, je vais dire les trois ou quatre dernières parties, on voyait un petit peu plus de constance. Fait que de voir ça, là, on est vraiment content de ça, qu'ils puissent peut-être, je veux pas dire piquer, mais d'arriver à hausser leur jeu justement quand l'enjeu de la game change. Là. On a vu une décision qui, pour certains, aurait peut-être paru un peu surprenante, d'amener Poirier à l'aile. Et ça semble avoir été une excellente décision. C'est lui qui était à l'origine du but de Vincent Granger sur une passe transversale. Il réussit toujours à avoir la petite hésitation qui va faire ouvrir les passes. Ouais. Donc, ça a été une bonne décision de l'amener à l'aile. Ben, jusqu'à maintenant, il nous amène une certaine profondeur en avant. Donc, Charles, c'est un gars qui a un upside offensif, qui est capable de voir, de bien contrôler, de bien gérer la rondelle, de bien alimenter aussi quand il y a des ouvertures. Quand même un bon lancer, quand même assez précis. C'est un gars qui n'a pas nécessairement peur d'aller jouer dans le trafic. C'est sûr qu'il nous aiderait aussi en arrière. On est super conscient de ça. Mais par contre, quand on regarde le tour de la brigade défensive, c'est lui qui a le plus d'aptitude potentielle à venir aider notre attaque, en gardant quand même une espèce de bon équilibre en arrière. Puis en avantage numérique, bien, il retrouve son spot en haut. Donc, pour nous, ça ne changeait pas grand-chose. Mais pour lui, assurément que c'était un bon défi là, de jouer à cette position-là. Quoi qu'il l'avait fait dans le passé, moi, je savais qu'avec les Harfins, il avait joué à l'avant au niveau Bantam. Donc, j'étais au courant de ça. Puisqu'à l'époque, j'étais pas loin du programme. Donc, effectivement, que ça nous donne... Ça,
ça nous donne. Mais tu sais, les séries, c'est long. En tout cas, ça peut être long. Donc, c'est pas dit qu'il ne retournera pas en arrière à sa position. Non. Des fois, il faut oser certaines choses qui ont peut-être pas nécessairement de logique là, mais qui vont peut-être nous amener d'autres choses là, éventuellement. Ah, oh, puis je pourrais te raconter quelques expériences personnelles. Et effectivement, d'amener un Poirier qui peut ralentir le jeu, le réaccélérer pour percer une défensive qui est très, très, très hermétique, bien évidemment, c'est un rôle qui peut être extrêmement important. Et l'autre chose, c'est que dans un hockey moderne où on demande aux défenseurs d'appuyer l'attaque, bien là, l'unité de 5 avec un Poirier qui peut rester à la ligne bleue, bien, t'affaiblis pas ton unité de 5. Donc, un autre enjeu qui est important. Ah, absolument, absolument. Puis, tu sais, nous, on se plaît à dire que, tu sais, quand on est en possession, bien, on est 5 joueurs offensifs qui doivent rester dans l'image, si on veut, puis d'être capable de contribuer. Donc, qu'ils soient en haut ou en arrière, bien, pour nous, ça fait pas nécessairement de différence. Là. Il est capable de bien jouer dans sa zone, il est capable de jouer à des avantages numériques. Hein. Puis il y aurait d'autres joueurs aussi qu'on pourrait nommer qui est dans la même situation. Oui. Donc, c'est ça. Et on voit également, ben, au niveau de la gestion des émotions, on a vu un match gagné en désavantage numérique, en prolongation. Évidemment, ça amène l'équipe sur un high. On a quand même bien réagi là, parce que le dimanche, on a encore été capable d'imposer notre rythme et ça semble être l'enjeu là, entre les deux formations puisque ce que j'ai vu du premier match, on a été 3 périodes où on a imposé le rythme. En prolongation, dès les premières présences, j'ai vu que les joueurs étaient un peu sur les talons. On est entré dans le rythme de l'adversaire et c'est là qu'ils ont eu leur meilleure chance de marquer. Ouais. Et on retourne là-bas, on réimpose le rythme. Ouais. Bon, ça s'est terminé 1-0, mais avec un gardien qui a été fumant. Est-ce qu'on est d'accord les deux pour dire que l'équipe qui va imposer le rythme va se donner le plus de chances de gagner? Oui, absolument, absolument. C'est une question de sans dire qu'ils veulent pas jouer, mais c'est une question d'intention. T'sais, moi, on répète souvent que dans des games où il y a des enjeux comme ceux-là, ben, tu veux jouer ses orteils, puis tu veux pas dépenser une seconde qui veut rien dire. Tu veux que chaque seconde compte, puis que chaque minute veut dire quelque chose, puis chaque présence que tu embarques. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment d'hésitation. Là. C'est plus le temps d'hésiter, là. C'est le temps de jouer. Puis on l'a vu à toutes les fois que je peux parler de la première période en Outaouais. Qui n'a pas été nécessairement une mauvaise période, mais qui n'a pas été à l'image des 3 périodes avant. Puis dans le vestiaire, les gars se l'ont adressé. Il faut monter nos standards. Puis quand on est revenu en deuxième, on a eu 20 lancers au net. Je pense qu'il y en a eu 19 en troisième. Puis on a eu vraiment des chances de marquer, quand même des grosses chances. Puis on n'a pas été capable nécessairement de la mettre dedans, mais ça fait que on a confiance que quand on joue comme on a joué les 5 dernières périodes sur 6, où on est capable de bouger les pieds, de s'imposer physiquement, de protéger notre rondelle, de bien bouger la rondelle, de bien la gérer, même s'il joue en haut de nous, puis qu'il n'y a pas de temps, puis il n'y a pas d'espace, qu'on est capable d'atteindre des objectifs, puis on est capable de jouer de la façon qu'on veut mettre en place. Là. Quel est maintenant l'esprit qui se dégage de tout ça? C'est-à-dire, bon, on gagne le premier match, on retourne sur la route, on connaît quand même un bon match, on a dominé quand même de façon assez nette au niveau des tirs au but, des chances de marquer également, mais on revient à la maison. Bon, l'autre équipe qui a peut-être pas nécessairement, qui a dû se relever là, de cette défaite-là en prolongation, ouais. Aujourd'hui, voyage. Est-ce qu'on arrive trop confiant? Est-ce qu'on arrive sur les talons ou encore le couteau dans les dents? Business as usual, comme on dit. Mm-hmm. Donc, on continue à faire le même travail. Comment tu perçois ton équipe à ce moment-ci? Là? Bien, nous, on s'est entraîné hier. On a touché à la glace hier. Puis, c'est quelque chose qu'on a abordé. On peut pas dire que on a été meilleurs qu'eux autres. En bout de ligne, c'est eux qui ont compté plus de buts que nous autres. On a créé plus de trucs qu'eux autres, mais ils ont quand même été capables de fermer les livres. Est-ce qu'on est déçu du résultat du dernier match? Oui.
Mais on a une chance de jouer une game devant nos spectateurs, devant chez nous, une game qui veut dire quelque chose. Puis je pense vraiment que le groupe qu'on a besoin d'avoir ces opportunités-là pour grandir. Donc, pour nous, les coachs et même les joueurs, on était tous d'accord pour dire que si cette game-là, il faut la jouer, il faut la jouer. Puis ça va, si on a à continuer dans notre parcours durant les séries, puis dans le futur, dans les années prochaines, c'est des moments comme aujourd'hui qui vont nous servir à augmenter notre jeu d'un cran encore. Donc, pour nous, on n'est pas nécessairement nerveux, anxieux. On a le choix de choisir justement notre émotion. Puis je pense qu'on est excité de pouvoir jouer cette game-là. Puis, tu sais, je suis arrivé de bonne heure aujourd'hui, puis il y a beaucoup de joueurs qui étaient là tôt, puis ils ont le sourire, puis tu sais, la vibe est bonne. Fait que là, maintenant, c'est à eux autres de profiter de ce moment-là, puis de donner toute question, puis de contrôler ce qu'ils sont en mesure de contrôler, puis de choisir justement la bonne émotion pour jouer cette game-là. Les entraîneurs ont souvent une influence directe sur les joueurs. Puis, tu as décrit dans le front que tu carbures à ce genre de match-là. J'imagine que c'est une... Moi, j'adore ça. Ah oui, c'est écrit, tu l'as décrit dans le visage. J'imagine que c'est une énergie qui se transfère au groupe. Là. Ben, j'espère. Tu sais, en bout de ligne, c'est pas moi qui joue. Là. Dans le fond, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je vais continuer. Il va me rester les changements à faire et tout. Mais moi, c'est pour ça que je coach au hockey, là. Pour coacher, avoir la chance de coacher ces games-là, quand la game est sur la ligne, c'est là que c'est intéressant, puis que tu crées des souvenirs, puis tous mes plus beaux souvenirs que je raconte dans le hockey, ben, ça a tout le temps en lien avec une game qui était serrée, une game qu'il y avait un enjeu, puis moi je suis comme ça dans la vie aussi, je joue au fer l'été, c'est comme ça, je joue un tournoi de poche, c'est comme ça, j'ai tout le temps été comme ça, fait que toutes ces games-là, tu sais, comme hier, là, j'ai eu un peu de misère à dormir parce que je suis comme, ouais, c'est ça, fébrile, c'est ça le mot que je cherchais tantôt, là. On est fébrile, j'ai hâte que la rondelle tombe. Là. Ben écoute, je te souhaite le plus grand plaisir du monde aux joueurs aussi, puis au terme de ce match-là, il y a forcément une équipe qui va accrocher ses patins. Assurément. Ben que tous les joueurs des deux formations, qu'on sorte de la patinoire, on dit, ben on a fait de notre mieux, exact. La meilleure équipe a gagné, puis on a eu du fun. Voilà, c'est énorme. Merci Dominique. Merci. On est de retour à l'Arena Green, Eric Molson, pour la présentation de cette deuxième période. Je suis en compagnie de Patrick Jonca. Patrick, ton appréciation générale de la première période, qu'est-ce que t'en penses? Ben écoute, je trouve que les Cougars ont quand même bien sorti très très fort. Bon, c'est sûr que le seul but marqué a été fait marqué par les Griffons en avantage numérique sur leur premier avantage numérique. Par la suite, les Cougars se sont quand même bien débrouillés en désavantage numérique. Mais ce que je retiens aussi, c'est que les Cougars ont quand même des bonnes chances de compter, ils ont juste pas été en mesure de trouver le fond du filet. Je pense qu'en deuxième période, il va falloir qu'ils s'assurent de toucher le filet. Je sais qu'on vise le haut du filet avec le gardien Lafontaine, mais il va falloir toucher le filet pour avoir des rebonds puis avoir profité de nos chances. Et c'est reparti pour cette deuxième période, rondelle qui va en territoire des Griffons. Et revient au centre, ça va aller à l'autre bout et on va devancer. Justement, Dion, là, c'est Julien qui est allé, ça reviendra le long de la rampe. Sirois en relance avec Véronneau à sa droite et Clément derrière lui. Sirois, il va d'un tir. On doit le côté éloigné, c'est récupéré la ligne bleue. Récupération par Sirois qui se fait barrer la route. C'est récupéré en milieu de territoire et remis immédiatement à Julien.
Placement de rondelle en diagonale. Ce sera Tremblay qui sera là le premier. Comme elle, long de la rampe, une voix, Sirois. Sirois le regarde devant, c'est pour Véronneau. Véronneau à un contre un. Véronneau vers l'intérieur. Et c'est récupéré derrière par Clément. On est revenu de l'arrière, là. C'est Parent qui est allé d'un bon jeu défensif. En pivotant sur lui-même, tir bloqué par Chénard. Clément vient récupérer le disque. On tentait le transversal vers Plouf. Ben, écoute, Clément, aujourd'hui, se bat un peu avec la rondelle, en tout cas en première période, mais il manque pas de jambes, là. Non, exactement. Rondelle qui revient vers l'intérieur. Et là, une rondelle qui était un peu trop près des pieds. Alors... À un moment donné, il va falloir, au lieu d'avoir une passe de trop, prendre le lance au but, puis s'assurer d'aller. On avait deux joueurs qui s'en allaient pour le rebond. Oui. Rondelle qui est récupérée par Plouf. On pousse plus loin. Transition rapide. On tentait de rejoindre Granger. Disque qui reviendra le long de la rampe. Prudhomme s'est avancé. Rondelle qui quitte la surface de la cime. On va reprendre à la gauche du gardien Émile Pagé. Je vous rappelle, Émile Pagé d'un côté qui fait face à Mathis Lafontaine. Lafontaine qui accumule les minutes sans avoir donné de but. Quatre périodes. Quatre dernières périodes à donner aucun but. Dernier qui a donné ici, c'est en prolongation. Exact. Au cercle de mise en jeu, c'est Britki. Mise en jeu gagnée par les Cougars. Poirier vient récupérer cette rondelle. Poirier, il regardait devant, mais Lanoue était très loin entre les deux bleus. Donc Poirier, lui, qui est revenu sur ses pas et il est allé se cacher derrière le filet. Roberge à l'origine de la relance. Roberge qui accélère, va s'amener lui-même en territoire offensif, pousse le disque pour lui-même. Persons l'a devancé et avec le patin va pousser la rondelle jusqu'à Martine. Martine qui perd le disque. Lanou ramène tout le monde en territoire des Griffons. Et derrière, c'est Persons qui sera à l'origine de la relance. On regarde du côté droit et on ira à gauche finalement. Martine qui touche le dos de son coéquipier Girard. C'est récupéré maintenant par les Cougars avec Lanou de l'autre côté pour Clément. Rondelle qui circule bien. Mais on n'arrive pas là, il y a chute. On a passé bien près d'un revirement. La défensive, encore une fois, qui était bien placée et vient récupérer cette rondelle. Dion, disque sautillant, là, qui est amené en fond de territoire. Cronwall qui fait feinte de revenir sur ses pas, finalement, tentait de ramener vers Tremblay. C'est intercepté. Prudhomme qui s'amène en territoire offensif. Prudhomme tentait de revenir vers l'intérieur. On lui a barré le chemin à deux. Transition, encore une fois, rapide vers Laroche. Laroche à 3 contre 2. On remet vers Cronwall et Laroche fait dévier. C'est hors cible. On tente de ramener devant. Et à nouveau, Prudhomme récupère, bloqué en haut territoire. Ça reviendra à Dalpé. Mais Dalpé qui a vu la rondelle pratiquement passer en dessous de la lame de son patin. Disque est amené à nouveau en territoire des Griffons. Et ce sera refusé. Cronwall qui s'amenait quand même avec beaucoup de vitesse. Mais Clotier était nettement plus près de la rondelle. Donc, on dégagement. A vu une belle transition rapide avec une chance de Condé et une chance de à l'autre bout pour les Cougars, là, qui a été un lancé qui a été dévié. Et les Cougars en transition défense-attaque, Patrick, sont très rapides. On n'hésite pas, on trouve immédiatement un porteur. Ouais, c'est une bonne chose parce qu'on voit les Griffons là, qui les attendent en zone neutre en 1-2-2. Ils sont très passifs, donc avec une transition rapide, c'est là que tu peux réussir à les battre rapidement puis créer des surnoms. Rondelle qui est à nouveau récupéré derrière. On se met en marche, on tente de remettre vers l'intérieur. Paris intercepte et on va partir à 2 contre 2. Paris s'avance, un tir. C'est bloqué par le gardien, un tir qui n'était pas vraiment une menace. Là. On remet vers l'intérieur et là, revirement en haut territoire. Ça revient une fois à Paris, le capitaine, qui est frappé solidement par Laroche qui vient récupérer le disque. Laroche qui bataille, Paris reprend. Paris protège bien le disque, remet dans le coin. C'est pour Julien. On tentait le côté rapproché. Ça va aller jusqu'à la ligne 2. On remet en fond de territoire. Ça a touché le patin de Chénard qui remet le disque à la ligne 2. Ça revient à Paris. Paris, disque sautillant. Bon réflexe, remet la rondelle dans le coin. Là. Et c'est Lanoue qui va venir. Pas Lanoue, mais Gain-Sirois qui vient récupérer cette rondelle et s'amène en territoire offensif. Sirois contourne le filet, toujours en possession. La rondelle remet vers l'intérieur, c'était pour Clément. Clément n'a pas été en mesure de lancer. Remet vers Sirois qui avait convergé vers l'enclave. Plouf maintenant, c'est dévié, le retour. Et rondelle qui est toujours libre. Et on reprend, c'est Véronneau qui est là. Rondelle sautillante, balle de ping-pong qui se rend finalement jusque dans le coin. Les Cougars sont vraiment pas capables d'acheter un but. On a vu encore une fois une rondelle qui a bondi sur les jambières du gardien.
Écoute, le gardien fait le premier arrêt, mais il peut dire merci à ses défenseurs. Un beau revirement au téléphone. Un gardien, Lafontaine, on le voit, là, qui n'est pas de grande taille pour un homme. Très agile. Oui, il protège très bien le bas du filet également. Mais on le voit quand même céder les retours. Ben, n'importe quel gardien avec les jambières n'a pas le choix, ça bondit, là. Et la défensive joue vraiment très bien près de lui. On vient récupérer ses rondelles. Oui. Ça se referme rapidement, puis les retours très difficiles à récupérer pour les Cougars. Disque qui est repris par Langlois, transversal. C'est McKelvey qui sera là le premier. Remet à la hauteur du cercle des mises en jeu. On fait pression sur lui. C'est à nouveau dirigé vers Robert. Derrière Picard, tentait de revenir devant. Transition et récupération de rondelle par Langlois. Langlois qui ramène tout le monde en territoire des Griffons. Talbot reprend et revient loin en territoire des Cougars avec Girard. Girard tentait le côté rapproché. Arrêt de Pagé. Et rondelle qui est remise en jeu. Langlois revient sur ses pas, dirige le disque à Roberge. Roberge qui se met en marche. Roberge. Et là, ben attention, on est passé bien près de remettre la rondelle à Talbot. Un jeu qui était anodin. On lui a mis le disque directement sur la lame du bâton. Là. Talbot s'amène en territoire offensif. Talbot toujours en possession de la rondelle. Talbot qui connaît une bonne série là, également pour les Griffons. Contrôle très, très bien la rondelle. McKelvey remet vers l'intérieur à Roberge qui est avancé pour appuyer l'attaque. Roberge qui glisse le disque derrière. Ça ira en fond de territoire. Et Persons qui va venir intercepter la rondelle, remettre vers Payette. Granger qui s'est avancé. Disque qui poursuit sa course le long de la rampe. Ça se rend jusqu'à Prudhomme. Prudhomme vers l'intérieur. On a réussi à bien protéger la rondelle là-dessus. Lame qui réussit à progresser jusqu'en territoire offensif. Relance maintenant avec Cronwall qui une rondelle qui est allée un peu trop vite pour la vitesse qu'il avait. Poirier maintenant. Corridor droit. Poirier tente de revenir vers l'intérieur. Et là, ben, c'est bloqué en défensif. Poirier qui vient récupérer cette rondelle de l'arrière. Un tir. Côté rapproché. Rate la cible. Ça va jusqu'à Berger à la ligne bleue. Berger ramène le disque devant. Rondelle qui est derrière le filet. C'est récupéré par Lanoue. Lanoue, transversal en haut territoire. Rondelle sautillante. On s'amène à nouveau là, avec Berger. Placement de rondelle en fond territoire. Derrière Cronwall. Cronwall pivote sur lui-même. Persons qui ne le lâche pas, mais on travaille à nouveau en fond territoire. C'est bloqué en défensive. On tente de récupérer. Mais à nouveau, c'est intercepté et bloqué par Lamb. Et finalement, ben, on va réussir à quitter le territoire. Mais immédiatement, on revient en territoire offensif. Rondelle qui est reprise par Payette. On tente d'y aller côté opposé, mais on avait bien lu le jeu. Clément est là. Clément qui remet vers Poirier. Poirier regarde du côté de la ligne bleue. C'est fait. Ben, une passe qui est passée tout juste au-delà de Tremblay. Puis c'est pas parce qu'il est petit, là. Il était vraiment pas à sa portée. Ouais. Alors, Tremblay là, qui permet à son entraîneur de compléter les changements. Et on va amener Dion dans la mêlée pour l'accompagner. Tremblay. Placement de rondelle à fond. Ben, ça a été dévié par Julien. Et c'est allé dans le filet protecteur. On va donc reprendre en territoire neutre devant le banc de l'entraîneur Dominique Desmarais. Et encore une fois, si on regarde la surface glacée, ben il y a de la neige pas mal d'un côté puis pas beaucoup de l'autre. Là. Exactement. Je pense que c'est le début de deuxième période. Les Cougars sont beaucoup en zone offensive. Mais on concède la possession de la rondelle, le temps de possession de rondelle, mais certainement pas le devant du filet. Non, exactement. Très agressif sur, comme je te mentionnais, les retours. S'assurer que la rondelle ne reste pas là. Et là, une passe à Julien là, qui n'a pas été en mesure de maîtriser. Et Dion qui va reprendre, utilise la baie vitrée pour ramener le disque à Sirois. Sirois, une feinte, revient vers l'intérieur. Et Sirois là, s'amène, remet derrière pour Véronneau. Véronneau protège bien le disque du revers. Et ça s'est rendu dans le couteau. On va donc reprendre en territoire des Griffons à la droite du gardien Mathis Lafontaine qui, avec encore 12 minutes 10 secondes à faire, demeure intraitable, Patrick. Oui, exactement. On voit la dernière séquence des Renault. Bonne percée, lancée du revers. Comme tu le mentionnes dans le tuto, avoir été un petit peu plus bas au temps des passes, ça aurait pu donner un bon rebond dans le net. Picard au cercle de mise en jeu devant Girard. Et Girard aura le meilleur. Par la baie vitrée, c'est dégagement de clocher jusqu'à l'autre bout. Et ça sera refusé au Griffon. On va donc revenir exactement au même endroit. Tu connais le poste prise 2? Ben, c'est là qu'on s'en va.
Alors, autre mise en jeu à la droite du gardien Mathis Lafontaine. Picard aura l'opportunité de se reprendre contre Girard. Et cette fois-ci, Picard aura le meilleur tir qui a touché les patins de Clocher. C'est récupéré dans le coin. Picard qui travaille en récupération de rondelles. Et ça va aller dans le coin opposé. Et on sera un peu trop là. Donc, c'est Langlois qui va venir récupérer. Il remet à Tremblay. Et maintenant pour Picard qui passe le disque en fond de territoire. Picard récupère la longue rampe vers l'intérieur. C'est pour McIlvey. C'est bien passé. Bridgie. Maintenant qui bataille pour la rondelle, ça revient vers l'intérieur. Attiré, on tentait de remettre vers Granger. C'est passé devant la lame de son bâton. Langlois maintenant. Langlois remet à Tremblay. Un tir. Et là, ben, il n'y avait personne pour voiler la vue du gardien qui y va de la cueillette du prémur. Il y avait quand même Picard qui était là, mais n'a pas été en mesure de faire dévier. Non, exact. Puis Picard a été à l'origine de la dernière séquence là, avec un tir-passe. Si ça avait été vers le but, on ne sait jamais. Là, mais... on a essayé de Granger qui a visé. Et on devra quand même ne pas chercher trop le jeu parfait. Non. Amener les rondelles sur les jambières, forcer pour le retour. Peut-être essayer davantage de battre les défenseurs que de battre le gardien de but. Un lancer voilé. On sait jamais. Il ne faut surtout pas commencer à pas que le gardien entre dans la tête de ceux qui peuvent marquer. Non, puis il ne faut pas non plus commencer parce qu'on a de la misère à compter. Chercher le jeu parfait, non plus. Ben, justement. Rondelle très bien dans le coin vers l'intérieur. Rondelle qui a traversé l'enclave. Un tir. Et encore une fois, le gardien qui immobilise le disque vient capter cette rondelle. Et c'est pas facile de récupérer ces rondelles-là. D'abord, le gardien, lorsque la rondelle est au-delà de ses jambières, réussit à l'immobiliser. Et on a vu encore une fois, là, très près de lui, les deux défenseurs qui... sont prêts à récupérer des rondelles. Ouais, puis on sent Lafontaine très en confiance. Oui. Rondelle qui s'est rendue faiblement jusqu'à Lafontaine. La Roche qui est revenue vers l'intérieur et on vient lui expliquer qu'il n'est pas nécessairement bienvenu. Je crois que les joueurs au chandail blanc considèrent qu'il n'y a pas assez de blanc sur son chandail. Son numéro se passé. Alors on reprend à la gauche du gardien Lafontaine, mise en jeu gagnée par les Griffons. Et là, attention, là, on a échappé cette rondelle. On part à 2-1. Un tir, Pagé fait l'arrêt. Et un revirement au territoire. On a quand même gardé le porteur du disque dans le corridor. Donc Pagé qui fait un arrêt relativement facile. Ouais, Pagé a bien réagi, là, contrôlé son retour devant lui. Puis l'a immobilisé immédiatement. On va reprendre avec 10 minutes 42 secondes à faire à ce deuxième engagement à la droite du gardien des Cougars, Émile Pagé. 15 tirs contre 8, c'est du simple au double pratiquement. Là. Ouais. Rondelle qui est remise dans le coin par le gardien. Poirier qui tentait de faire soulever la rondelle. C'est bloqué en défensive par Tremblay. Qui va d'un petit coup de fer neuf vers Lanoux. Lanoux regardait vers la droite. Lanoux va tenter le côté rapproché, le retour. Encore une fois, on a vu le retour qui était quand même assez loin. Vers l'intérieur, on tente de récupérer le disque. Et en pivotant sur lui-même, on tentait de lancer. Mais bon travail, encore une fois, en défensive. On remet transversal, un tir, ça rate la cible. Paris tente de s'avancer, réussit du bout du bâton à dégager son territoire. Dion va reprendre loin derrière. Dion remet à contre-courant, c'est Picard qui... est venu appuyer sa défensive, vient récupérer le disque. Une longue passe vers Poirier. Poirier qui accélère à effleurer le disque, tente de venir récupérer. Et là, vers l'intérieur. Et quoi qu'il y avait Lanoux, là, qui était peut-être une bonne cible. Et on va s'échapper avec Julien. Julien est seul. Julien s'avance, tire, rate la cible. Tentant la partie supérieure, ça a effleuré la barre horizontale. Attaque qui se poursuit avec Chénard. Remet de l'autre côté pour la marche. Un tir et Pagé fait l'arrêt. On s'est fait prendre sur un revirement, là, une des rares fois. Exact. Sur un changement aussi, donc on s'en tire très, très bien. Et les Griffons qui, écoute, respectent le plan de match. On concède le nombre de tirs, on concède la possession de la rondelle, on gèle l'enclave et on attend les opportunités. Pour l'instant, ben, ça paye. Exact. Oh, oui. Chénard au cercle de mise en jeu devant Clément.
C'est Clément qui a le meilleur. Tente de ramener ça vers l'anneau, mais devancé par Talbot. Ça revient dans le coin. On remet à Sirois. Sirois qui s'avance. Place à rondelle en fond territoire. Véronneau va s'avancer. Véronneau réussit au disque. Et là, ben, il y a chute de Sirois qui se relève aussitôt. A perdu son bâton. Protège la rondelle pour permettre à Véronneau de la capter. Mais finalement, on lui soutire. Et c'est Talbot qui va libérer son territoire. C'est repris en territoire neutre. Langlois maintenant qui s'avance. Rondelle qui est récupérée derrière par Véronneau. Véronneau remet à Sirois dans l'enclave. Encore une fois, c'était bien pensé pour Sirois. Sirois qui était sur une trajectoire vers la droite. Rondelle qui est passée à sa gauche. Attention à cette petite confusion entre les deux joueurs des Cougars. Roberge va chasser le joueur adverse et entraîner la rondelle avec lui. Et est-ce que l'officiel va... Je crois qu'on va tout simplement appeler la mise en jeu à l'extérieur. Oui, exactement. Donc, 16 tirs contre 9 en faveur des Cougars. Et la statistique la plus importante, Patrick, on l'écran rouge, c'est 1-0. Ouais. Et ce sont les visiteurs qui ont l'avance. Les visiteurs qui ont gagné 1-0 le match de dimanche avaient aussi inscrit le but en première période. Mise en jeu gagné par les Griffons. Alors, s'il y a une statistique où les Griffons ont le meilleur, ben, au cercle de mise en jeu, jusqu'à maintenant, ont gagné leur large part. Oui, exactement. Ils ont été très efficaces. Rondelle qui va jusqu'à l'autre bout. C'est Granger qui va s'avancer. Granger tente de libérer son territoire. C'est Capitaine avec un tir qui est hors cible. Ça va aller le long de la rampe opposée. Et un lob qui va se rendre jusqu'à Picard qui accélère. Picard sera le premier. Freine récupère le disque. Picard remet à la ligne bleue pour Plouf de l'autre côté. C'est pour Berger. Berger ramène le disque dans le coin. Et là, bien, au vol, il y avait Granger qui tentait de ramener la rondelle devant le filet. Bataille dans le coin maintenant. On travaille toujours pour récupérer cette rondelle. McElvey qui est là. Et c'est Granger qui va la reprendre. Granger. Granger, il va d'un tir. Et c'est encore une fois raté. Mais il y a beaucoup de trafic devant le filet. On se rabat là, directement dans l'enclave pendant qu'il y a eu... Brit Guy qui a eu droit à un petit coup d'épaule en haut de territoire. À Plouf maintenant, remet bien à l'intérieur. Il y a ouverture, un tir bloqué encore une fois en défensive. First Lens qui s'est mis devant la rondelle. On revient en haut de territoire. Berger, il va d'un tir. C'est dévié dans le coin, repris par Plouf. De l'autre côté pour Berger. On cherche encore une fois la ligne de tir. Et là, ben, on a vu le bâton de Granger qui a bien tenté de faire dévier. Et c'est encore une fois La Fontaine qui capte cette rondelle. Les Griffons en zone défensive, d'excellents bâtons, puis ils payent le prix. Là, prêt à payer à bloquer la rondelle là, régulièrement, même à glisser pour à réussir à la toucher la rondelle lors d'un lancer. Donc, très difficile pour les Cougars de mener des bons lancers, puis après ça, avoir des bons retours en avant du net avec la façon qu'ils ferment l'enclave. C'est pas simple d'aller chercher les rebonds. Grand noir, là, au cercle de mise en jeu, va réussir à protéger le disque et à l'amener dans le coin. Bataille pour récupérer cette rondelle. Eh bien, sort du coin avec le disque, revient vers l'intérieur. Ça traverse l'enclave, ça va aller dans le coin opposé. Dalpé qui remet vers Laroche qui pivote sur lui-même. Laroche réussit à conserver le disque par la rampe à la ligne bleue pour Trembler. Un tir! Et encore une fois, ça a touché la jambière. Oui. Elle a dévié, puis la jambière était là. Rondelle qui est récupérée par Dion vers l'intérieur. Ça a touché le patin du défenseur. Et c'est récupéré maintenant derrière. On revient le long de la rampe. Paris qui fait dévier tout simplement en territoire neutre. Et on revient en territoire offensif vers le gardien qui va immobiliser le disque. Et on passe beaucoup de temps en territoire offensif. Et devant le filet, j'aimerais bien, il y a une façon de faire dévier des tirs. Là, le bâton ne doit pas bouger. Et lorsqu'on a amené le tir sur la dernière présence de Granger, il était très bien placé pour faire dévier, mais on a vu comme plusieurs joueurs, comme plusieurs attaquants, essayer de rabattre la rondelle au sol. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut seulement placer le bâton et y donner un angle, un peu comme les défenseurs vont le faire, là. Ils font des bonnes. Ben, le joueur d'avant, lui, doit faire exactement la même chose, mais incliner un peu le bâton, on devient très efficace pour faire dévier les rondelles. T'as raison, sauf que quand ça fait presque 5 périodes que t'as pas compté, c'est des réflexes rendus là. Et il faut s'entraîner beaucoup pour les développer. Parce que tous les joueurs d'avant ont à peu près ce réflexe-là d'essayer de rabattre la rondelle. Rondelle qui est maintenant récupérée par Poirier, qui tentait de remettre à la ligne bleue, mais c'est intercepté par Prudhomme, qui pousse pour lui-même.
Prudhomme tente de ramener le disque vers l'intérieur, mais on était déjà à 3. Disque qui revient vers Lanoux, qui se met en marche. Lanoux, ensemble en territoire offensif. Lanoux coupe vers l'intérieur. Et c'est Poirier qui a tendu la jambe derrière, mais... Il a tout fait pour éviter leur jeu, mais ça n'a pas fonctionné. Non. Manquait quelques centimètres. On allait dire quelques pouces, mais quelques centimètres. Ah, oui. Ah, s'il avait chaussé des 10,5, il était correct. Ah, peut-être. On reprendra donc en territoire neutre à l'entrée du territoire des Griffons. 19 tirs contre 9 en faveur des Cougars qui cherchent toujours à s'inscrire au pointage pour une première fois. Rondelle déviée, ça va jusqu'au gardien qui va céder le disque à Clotché. Clotché pivote sur lui-même, ça ira dans le composé pour Clément. Clément qui est cloué sur la rampe. Il y a Véronneau là, qui est là, qui pivote. Et encore une fois, on voit le positionnement. Là. On laisse la possession de rondelle, mais la marche reste entre le gardien et le porteur du disque. On ne laisse pas les Cougars revenir vers le filet. Exactement, on protège l'enclave. Puis, donc, on priorise, priorise le positionnement. Ouais, on a un très, très bon positionnement. Si on joue bien du côté des Griffons dans leur zone. Rondelle pivot sur lui-même et un tir qui va jusqu'au gardien La Fontaine. Et on va revenir à nouveau chercher une mise en jeu en territoire offensif. Et là, ben, on a franchi, on parlait du simple au double, ben, on l'a franchi. Là, on est maintenant 21 contre 9. Les Griffons qui ont eu quelques avantages numériques. Je te dirais, je pense qu'ils ont 4-5 lancés sur leur avantage numérique. Sur les deux qu'ils ont eu, les autres, des lancés quand même, peut-être 1 à 5 contre 5 qui auraient pu être dangereux, mais pour les restes, c'est tous des lancés qui sont de très loin. Rondelle qui est à nouveau, là, ça va revenir vers l'intérieur. Disque capté par Clément. Clément tente de revenir vers l'intérieur. Il y a ouverture. Massir, c'est hors cible. Sirois. Sirois dans le coin. Travaille avec Clément. Ça revient vers l'intérieur. Et là, ben, on était à la limite de l'accrochage sur Véronneau. Là. Disque qui va aller maintenant à droite pour Girard. Girard est amené le long de la rampe. Et est amené dans le coin par Tremblay. C'était récupéré derrière. Payette maintenant qui va reprendre en territoire neutre. Remet de l'autre côté. Person, c'est qui t'a... Attention, ça a été un revirement. Clément. Clément qui cherche la ligne de tir, a tenté de remettre vers McElvey. Et ça a raté la cible. Granger, bonne mise en échec. Jeu qui se poursuit avec Parent. Parent, un tir, dévié en défensive. Et ce sera récupéré par Julien dans le coin. Clément revient. Ben, Clément est partout sur la patinoire. Là. Disque qui est remis vers Dion. Dion qui évite la mise en échec. C'est Granger maintenant qui va s'amener. On est à 3 contre 2. Granger, disque sautillant. Rondelle qui est captée au vol par First Lens. Relance qu'il va exécuter lui-même. Ça mène en territoire offensif. Et là, ben, on est revenu de l'arrière. Cronwall qui a bien travaillé. Rondelle qui revient derrière lui. Et là, ben, là on entend les spectateurs ici là, qui auraient aimé que le geste de First Lens soit condamné. Bon travail encore une fois de Cronwall. Disque sautillant. Ça va dans le coin. C'est repris par Talbot. Talbot remet vers Paris. Paris ralentit le jeu. S'installe. Pousse le disque plus loin pour Clotchy qui est amené à appuyer l'attaque là, par la rampe maintenant. Loin devant pour Lanoux. Lanoux qui coupe vers l'intérieur de l'autre côté pour Cronwall. Cronwall vers l'intérieur. À Granger. Un tir. Bel arrêt des jambières. Encore une fois, on a réussi à déplacer la défensive, là, Patrick. Oui, on a eu une très, très belle chance de compter. Poirier maintenant à la ligne bleue, revient sur ses pas, Poirier vers l'intérieur, et c'est Plouffe qui s'est avancé, fait dévier, il y avait l'ouverture, mais une rondelle qui est allée à côté du filet. Poirier là, qui cherche la ligne de tir, Poirier on le sait, il est habile là, il va d'une petite séance, de va-et-vient, revient vers l'intérieur, un tir, c'est dévié, une rondelle qui est directement dans l'enclave, Cronoir a tenté de la récupérer, Plouffe s'est avancé, remet vers Lanoux, bon bâton en défensive, celui de Lamarche. On revient maintenant dans le coin opposé. Picard qui est maintenant sur la patinoire. Picard, belle, encore une fois, une belle attaque. C'est soutenu par les Cougars. On tente de quitter le territoire du côté des Griffons. On n'arrive pas à le faire. Et à nouveau, c'est Roberge qui place la rondelle en fond de territoire. Et le banc est loin là, du côté des Griffons. On est épuisé. Oui, on voit le. Il y a au moins un joueur qui est à cheval sur la rampe. Et là, ben, on devrait faire pression sur le porteur du disque pour éviter justement. Qu'ils puissent aller changer. Oui, et finalement, bon, on leur permet d'amener des forces fraîches. Clotché, une passe assez loin là, du côté gauche pour Girard. Girard qui chute devant l'Anglois, c'est ramené à Roberge. Roberge ramène le disque
Et c'est Girard qui le reprend. Transversal Payette, il va d'un tir. C'est dévié, partagé dans le filet protecteur. 2 minutes 16 secondes à faire. C'est toujours 1-0. Et les Cougars qui imposent le rythme. Écoute, on regarde la surface glacée. Il y a de la neige pratiquement dans une... On n'est pas venu souvent dans la zone des Cougars en deuxième période. Et malgré tout, on est venu défier le gardien. Il y a une échappée. Ouais. Girard au cercle de mise en jeu devant Clément. C'est Clément qui a le meilleur. Robert ici qui renverse son adversaire. Rondelle qui est derrière le filet. On remet vers Sirois. Sirois, une passe vers Véronneau. Véronneau qui s'avance en territoire offensif. Véronneau, toujours en possession de la rondelle. Tente de revenir vers l'intérieur. Remet derrière pour Roberge. Et là, ben, c'est repris en défensive. Relance. Et il y aura pénalité. Pénalité pour bâton haut. Roberge. Et c'est Roberge qui sera chassé avec 1,53 à faire en deuxième. Et les Griffons qui en demandaient pas tant vont aller en avantage numérique. En fin de période, ça peut être très dangereux. On va espérer que les Cougars jouent un bon désavantage numérique. Alors, opportunité pour les Griffons en fin de période. Et on va confier la mise en jeu à Picard qui généralement est bon en de telles circonstances devant Talbot qui est aussi excellent. Et c'est Talbot qui aura le meilleur. Ça revient à Paris, qui est employé comme pointeur. Paris pousse le disque plus loin, c'est repris par Dion. Et dégagement qui est complété jusqu'à Clotchy. Clotchy qui est dans son territoire. On va remettre le disque à Julien qui accélère, pousse le disque pour lui-même. Dion va tenter d'y aller d'un petit coup de golf. On réussit à pousser plus loin. Chénard reprend, remet vers Paris. Paris, le long de la rampe. Paris se fait soutirer le disque. Dégagement complété par le vétéran Sirois. On a une relance immédiate là, de Talbot à Paris. On tente de revenir vers l'intérieur. Ça passe devant Chénard. Et c'est Tremblay qui aura le meilleur. Quand on voit l'herbe, on remet devant. On a été téméraire là-dessus. Je crois que simplement perdu possession de la rondelle. Un tir et on marque. Tir en avantage numérique de Clotché. Les Griffons qui sont opportunistes. Prennent les vents 2-0. On a vu sur le désavantage numérique là, que les Cougars ont essayé de prendre possession de la rondelle dans le coin de la patinoire pour être en mesure. On va ramener ça dans le haut de la zone. Puis la passe. On va le voir ici en reprise. Ouais. Rondelle qui sera récupérée juste en haut territoire. Ça va revenir du côté gauche. Ça dévie devant le match. Et un tir qui se faufile derrière le gardien. Un but qui pourrait faire mal en fin de période comme ça. Oui. Donc, dernière minute de jeu. On revient maintenant à Clément. Clément, il va d'un tir. C'est bloqué encore une fois en défensive. Les Cougars qui réagissent de la bonne façon. On revient en territoire offensif. Et attention, là, on part à 2-1. On revient vers l'intérieur. Un bon bâton en défensive de Berger. Devant Prudhomme là, qui attaquait avec son coéquipier Parent. C'est lui Parent qui a la rondelle. Là. Parent tente de revenir vers l'intérieur et ça a quitté le territoire. 35 secondes à faire, 34.6. Et on va reprendre devant le banc de l'entraîneur Maxime Villeneuve-Ménard. Ben, les Griffons qui se donnent un petit coup de deux buts. Oui, un but... pourrait faire mal. On va espérer que 34 secondes en deuxième, par la suite, ça va être une troisième période où il va falloir ouvrir un peu plus le jeu du côté des Cougars. On n'aura pas le choix. Là, même si on a des bonnes chances, là, il va falloir être plus agressif encore. Rondelle qui est poussée plus loin. On revient en haut de territoire. C'est récupéré cette rondelle par Chénard qui remet derrière à Persons et maintenant vers Cousineau. Cousineau qu'on a un peu moins vu aujourd'hui. Ouais. Rondelle qui est poussé en fond de territoire, il y aura hors-jeu. 15 secondes. Et mise en jeu en territoire offensif pour les Cougars. 15 secondes, c'est amplement pour aller chercher une bonne chance de marquer. Exact. On sait le dernier match ici, c'était 2-0 Griffon, puis les Cougars sont venus. Donc, il va rester un gros 20 minutes après. Picard. Mise en jeu gagné par Picard, oui.
Langone rondelle qui a quitté le territoire. Donc, Lanoue revient à l'extérieur du territoire. 5 secondes encore à faire. On va revenir en territoire neutre. Ils vont laisser filer le disque. Et c'est là-dessus que ça se termine. Ben, après 40 minutes de jeu, les Cougars tirent de l'arrière 2-0. 24 tirs par les Cougars, 11 par les Griffons. Et c'est une statistique qui est assez représentative, Patrick, de ce qu'on a vu dans le match. Mais en même temps, on est patient du côté des Griffons. On reste bien concentré sur le plan de match. Ça paye. Oui, exactement. T'sais, on joue quand même bien dans leur zone, dans notre zone. On est patient, comme tu le mentionnes. Puis, on s'assure que les tirs qui sont effectués, mais que les retours ne sont pas accessibles. Donc, ils reprennent rapidement avec les bâtons, repoussent la rondelle dans le coin. Fait que c'est difficile pour les Cougars de pouvoir récupérer des rebonds. On va espérer qu'en troisième période, ça tourne en leur faveur. Hein. J'ai rencontré les deux entraîneurs avant le match d'aujourd'hui. Vous avez entendu Dominique Desmarais tout à l'heure. Voyons ce que Maxime Villeneuve-Ménard avait à dire avant le match d'aujourd'hui. Mon nom est Rémi Meunier, je suis en compagnie de Patrick Jonca. On est en direct de l'aréna Jane-Éric Molson de l'Université Bishop à Lennoxville pour la présentation de ce match entre les Cougars du Collège Champlain et les Griffons du Collège de l'Outaouais. Maxime Villeneuve-Ménard, je suis tellement pas surpris de te revoir. On est content d'être ici. Ben, oui, puis on est content de vous recevoir encore. Parce que c'est une belle série. Deux équipes qui sont pratiquement nées à nez. Écoute, en temps réglementaire, il y a un but. On n'est même pas capable d'avoir deux gagnants. c'est une série qui est très, très, très serrée. Puis on pouvait s'y attendre avec ce que vous aviez vécu pendant la saison. Oui, ben, je pense que c'est une série à l'image de la Ligue. Là. On connaît la parité dans la Ligue collégiale. On en a déjà parlé ensemble. La série n'est pas différente. Là. Vraiment, ça a été deux matchs enlevant, deux matchs très, très, très serrés où les détails là, ont fait la différence. Puis ça joue sur pas grand-chose. Puis une équipe qui est bien dirigée quand même de votre côté parce que on va en prolongation, on avait eu de bonnes chances de marquer. On perd en désavantage alors qu'on était en avantage numérique. Ça peut donner un petit coup dans les genoux, mais l'équipe a bien rebondi parce que vous êtes allé chercher une victoire là, à domicile. Et on sait, c'est la gestion de l'émotion, donc c'est tout à votre honneur. Là. Bien, c'est gentil, mais je pense que en bout de ligne, il faut aussi être honnête. Là. Notre gardien de but a été sensationnel dans le dernier match. Là. Je nous ai sentis un petit peu sur les talons quand même. Je nous trouvais très songeur, un petit peu en mode lecture plutôt que dans le mode action. Puis Mathis Lafontaine, notre gardien de but, là, nous a permis d'être présent aujourd'hui. Je pense qu'on a quand même bien joué, mais j'ai mieux aimé là, notre premier match. Là. Sans doute là, que les Cougars ont présenté là, une équipe qui voulait assurément terminer la série là, lors du dernier match. Mais heureusement, grâce à Mathis, puis notre structure défensive, là, notre jeu défensif, notre engagement, on est ici aujourd'hui, mais c'est sûr que si on veut se sauver avec la victoire aujourd'hui, ça va prendre une meilleure performance d'équipe. À quel point, d'après toi, le fait d'être à l'extérieur aujourd'hui, d'avoir voyagé, d'abord un match de semaine, ça fait une série qui est contraire un peu à ce qu'on vit pendant la saison, à trois matchs très rapprochés. Donc, la fatigue peut jouer, il y a le transport qui peut jouer. Puis, écoute, on a souvent l'opportunité de soigner les blessures parce qu'il y a cinq jours entre deux matchs, mais là, c'est pas le cas. Jusqu'à quel point tu penses qu'une formation pourrait être avantagée ou désavantagée aujourd'hui? Bien, je suis convaincu que le transport, ça a un effet. Là. Comme on dit, ça fait déjà le deuxième voyage qu'on vient ici. On voyage jour de match. Là. Les étudiants sont allés à l'école ce matin jusqu'à 11h30. Fait que, ça fait quand même une longue journée. Ouais. Puis c'est une longue route quand même. Là. On parle de 4 heures de transport. Là. Fait que, c'est sûr que ça a un impact, mais je pense que ça serait trop facile là, de servir de ça. Puis en bout de ligne, l'avantage de la glace revient aux Cougars. C'est eux qui ont terminé avant nous dans le classement. Donc, c'est eux qui peuvent bénéficier là, de l'avantage de la glace. Oui, mais l'important, ce ne sera pas ni d'un côté laisser les jambes dans le vestiaire et dans l'autre dans l'autobus, parce que ça devrait démarrer quand même assez vite. Là. Absolument, absolument. Puis je pense que l'enjeu du match est tellement grand qu'une fois que la fébrilité va embarquer, pour moi, la fatigue ne sera pas un grand facteur. Et je prends au rebond un peu ce que tu as dit, parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Dans le premier match, j'ai pas pu voir l'ensemble du second match, puisqu'il y avait nos dames ici là, qui ont pris les devants 1-0 contre John Abbott. J'ai imposé le rythme, je pense, et était important dans le premier match ici. Tu me dis que tu as moins aimé justement ce que tu as vu de ta formation, d'être un petit peu plus sur les talons. Puis on a vu également les Cougars en prolongation
rentrer dans le rythme, justement, des Griffons. Puis c'est à peu près la portion du match où les Griffons étaient dominants. Donc, imposer le rythme va être extrêmement important. Là. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, en bout de ligne, on le sait que le rythme, là, ça va et ça vient. T'sais, on peut pas avoir le rythme pendant 60 minutes. Là, pas dans une ligue collégiale qui est tellement facteur. Puis, on le sait que ça va venir, mais c'est justement de bien gérer les moments les plus difficiles, de ne pas paniquer, d'essayer de s'en sortir le plus vite possible. Puis, c'est de profiter des bons moments où la formation passe du temps de qualité en zone offensive, chose qu'on n'a pas faite dans le dernier match. Tu sais, c'est là où je trouve qu'on a... On était peut-être craintif du résultat plutôt que de se concentrer sur jouer de la bonne façon. Là, on semblait être très nerveux même quand on avait les devants. Là, je trouvais qu'on se défendait beaucoup. Puis c'est sûr qu'on a adressé avec la formation. Fait que j'ai hâte de voir la réponse aujourd'hui. Là, ah oui, parce qu'on a une épaule au sol. Hein, quand dans une série 2-2-3, c'est. Écoute, personnellement, je me demande si j'aime pas mieux un match suicide qu'une série 2-2-3. C'est très, très, très difficile. On va jouer sur les talons et rapidement, on se trouve le dos au mur. Est-ce que, justement, d'avoir rebondi, d'être allé, d'abord un gardien de but qui, de toute évidence, va arriver confiant, là, a eu un bon match, puis le gardien, on sait, c'est une bébite à part. Quand il est dans sa zone, ce qui se passe en avant de lui, ça n'a plus vraiment d'importance. Donc, un gardien qui devrait arriver avec confiance, est-ce que l'équipe également va rebondir parce qu'on peut se donner du momentum justement à survivre à un match où on a le dos au mur. Là. Oui, je suis confiant pour aujourd'hui que l'équipe va rebondir. Tu sais, je pense qu'en bout de ligne, on est assez transparent, on est capable de s'évaluer comme formation. On n'a pas joué un mauvais match, mais ça n'a pas été notre meilleur match. Puis, tu sais, notre gardien a été exceptionnel, mais le gardien aussi des Cougars a été, honnêtement, même s'il y a eu moins de lancers, ben, il a fait quelques arrêts vraiment clés. Dans le premier match, je l'ai trouvé sensationnel également. Ouais. Fait que, tu sais, c'est deux bons gardiens qui s'affrontent. Là. Ça, c'est, il n'y a pas de doute dans mon esprit. Et à des matchs à bas pointage comme ça, ben, y a pas, y a pas à faire le tour. Hein. Un gardien qui vole un match, ça, on en a besoin. Et ça va arriver. Il n'y a pas beaucoup de buts qui se marquent. Les véritables chances de marquer sont quand même très peu nombreuses. Donc, on doit pouvoir compter sur le joueur avec les grosses pads. Là. Ben oui, il ne faut pas s'en cacher. Tous les matchs qu'on a joués un contre l'autre là, cette année, on est rendu déjà au sixième match. C'est tous des matchs d'un but. Là. Ben oui. Un arrêt peut faire la différence là, pour le dénouement final de la série. Il n'y a pas de surprise là. Puis, un arrêt ou un mauvais rebond, hein, on l'a vu, une rondelle qui bondit un petit peu de travers, qui favorise un joueur plutôt que l'autre. Puis, donc, on va arriver dans ce match-là. Est-ce qu'on revient encore une fois à la base avec tout ce qu'on a dit pendant la saison? Dans le processus, on travaille chaque présence et puis arrivera ce qui arrivera. C'est sûr que ça a été le message là, depuis la victoire de dimanche, c'est de vraiment se concentrer sur les éléments qu'on contrôle. On parle du processus, c'est tellement vrai, même si c'est cliché, ben oui. C'est facile à dire, mais en bout de ligne, c'est la meilleure façon de contrôler les résultats. T'sais, tu peux pas juste espérer un résultat puis que ça fonctionne. Là. Malheureusement, c'est pas comme ça. Il faut que tu contrôles les éléments que tu peux contrôler. Puis c'est le message qu'on a martelé cette semaine. Et on parle beaucoup de la gestion de l'émotion et justement de garder le contrôle. C'est probablement de rentrer dans le processus pour justement faire fi de tout ce qui est alentour. Probablement une bonne recette pour ça aussi. Là. Ben oui, puis on va avoir un bon test ce soir. Là. Je sais qu'il va avoir de l'ambiance, il va avoir du monde. Fait que, pour moi, je vois ça juste comme une expérience encore pour notre jeune formation de pouvoir essayer à nouveau là, de tenter sa chance avec une foule hostile puis de vivre des belles émotions. Pour moi, c'est juste positif pour la suite des choses pour notre équipe. Puis, il y avait eu quand même des partisans qui étaient là pour les Griffons lors du dernier match ici. On va espérer que ce sera la même chose parce que ça met de l'ambiance quand, effectivement, avec les vagues qu'on a eues, les deux équipes ont pris les devants. Bien, pour les partisans de hockey, dont je fais partie, c'est agréable. Là. Ah oui, puis c'est le fun d'avoir l'engouement. T'sais, comme tu mentionnais, il y a des personnes qui ont fait le transport. Il y a un événement là, qui est organisé chez un de nos commanditaires, le Pile Mile, ce soir. Là, fait que je sais qu'il y a un rassemblement qui est là. Fait que c'est le fun d'avoir l'engouement. Bien, on va les saluer sur le web, certains. Oui, on les salue. Ben oui. Écoute, une bonne chance pour ce soir. J'espère que ça va bien se passer et qu'au terme de tout ça, parce qu'il y a forcément, là, on a le dos au mur, les deux formations, il y en a forcément une des deux qui va accrocher ses patins ce soir, bien que d'un côté comme de l'autre, les joueurs puissent sortir de la patinoire et dire, bien, on a fait de notre mieux, la meilleure équipe a gagné. Absolument. Bien, bonne chance. Merci. We'll be right back.
Bon, ben Patrick, quoi, 20 minutes pour se faire booster. C'est assez bizarre sur le premier match, les coureurs qui étaient revenus derrière. L'effort est là, mais une défensive du côté de l'Ottawa et un plan de match, ça ne sera pas facile. C'est très hermétique du côté des Capitons à leur fond présentement. Pas facile d'aller chercher le rebond quand on a des rebonds, évidemment. Mais en troisième période, on a plus le choix. Là, c'est vraiment la période d'année. Qui n'ont pas sacrifié la machine. Puis, quand on a un peu plus de chance, on va souhaiter que d'aller chercher un but rapidement début de troisième pour un peu ébranler la confiance des Griffons à ce moment-là, puis il n'y a pas plus de chance par la suite. Mais non, il faut sortir très très fort de l'histoire. Et l'équipe d'entraîneur de Philippe Desmarais en tête de liste, il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas à briser des bâtons dans le champ pour se passer. Écoute, l'effort est là, les joueurs sont présents sur la patinoire, l'implication est là, l'engagement est là. On se vit venir présentement sur une structure défensive et un gardien qui est excellent. Un gardien qui est très en confiance, là. Il doit voir la rondelle qui roule comme un ballon de plage, comme on dit souvent. Là. Mais écoute, je pense que le message de nous, c'est qu'on continue à travailler de la même façon. Puis on s'assure qu'on va aller chercher en premier but. C'est le premier qui est dur, je pense ça. Oui. C'est le premier qui est dur à aller chercher par la suite. Ça peut débouler assez rapidement. Puis on va souhaiter que pour les joueurs, ça ne soit pas ça en troisième période. Parce qu'effectivement, on dit souvent, là,
deux buts au hockey, c'est à peu près la pire allance. Tout à fait. Le prochain but, on peut mettre un petit peu gentil de la marée. Ouais. Évidemment, ce sont les Griffons qui le marquent. Ça va venir donner un petit coup dans l'air. Ouais, ça fait difficile, là, mais on va se mettre quelque chose de bien. Regarde, comme tu dis, le prochain but, ça peut être un match. Là. Et c'est parti pour cette troisième période. Peut-être la dernière de la saison 23-24 des Cougars. Sinon, ben écoute, on va prendre ça une présence à la fois. Oui, exact. Mais pour l'instant, ni une ni l'autre des deux formations, là, les entraîneurs ne seront pas déçus de la tenue de leurs équipes. Là. Non, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'ils vont être très satisfaits. Et attention, revirement. Il y aura pénalité. Julien qui sera chassé. Véronneau qui a croulé. Véronneau toujours en possession de la rondelle. Et jeu qui est rappelé, début de période. Et les Cougars qui ont l'opportunité d'aller en avantage numérique. Un deuxième avantage numérique ce soir pour les Cougars. Il y en a eu quatre. Ouais, voilà une belle opportunité pour pouvoir briser la glace. Là, en début de troisième, on attendait possiblement un beau moment de même là, pour pouvoir aller chercher notre premier but. Espérons que les partisans ici qui sont déplacés pour appuyer l'équipe locale, ben, qu'ils poussent un petit peu. Ouais. Ils ont envie de gagner, là. Et Véronneau voit le tir, c'est dévié. Et encore une fois, là, c'est Picard qui était... Est-ce que c'est Picard ou plutôt Clément? Clément qui était directement dans l'enclave. Et dès les premières secondes, il y a 4 secondes de passer à l'avantage numérique. On a déjà eu une excellente chance de marquer. Oui, tout à fait. Puis l'arbitre a suivi un peu vite parce qu'on voyait que la rondelle était tout le temps libre. Là, le gardien l'avait pas complètement immobilisé. Alors, on va revenir à la droite du gardien Lafontaine qui a toujours cédé aucun but depuis maintenant plus de 5 périodes. Les enjeux qui vont le long de la rampe. On travaille en récupération de rondelle. C'est Véronneau. Véronique remet derrière à Berger, à Plouf. Plouf cherche la ligne de tir dans le coin. C'est pour Clément. On revient le long de la ligne bleue. Tire côté rapproché. Encore une fois, là, c'est Lafontaine qui fait l'arrêt. On revient en haut de territoire. Plouf du côté de Clément. Clément le long de la rampe. Attention, on revient. Et excellent bâton en défensive de Clocher. Sirois avait tenté de le faire mordre. Dégagement, une rondelle qui ne veut pas toucher les gants de Plouf, qui avait pratiquement sorti le gant du premier but. Là. Ouais. Véronneau s'amène en territoire offensif maintenant. Véronneau va glisser la rondelle derrière pour Clément. On s'installe. Clément à la ligne bleue pour Dion, pendant que Tremblay lui vient de s'amener dans la mêlée. On revient maintenant près de la ligne des buts. On revient à Clément. Un tir, c'est bloqué en défensive. Clocher, qui cette fois-ci prend un tir après tout à l'heure avoir fait perdre la rondelle à Clément. On revient en haut territoire pour Dion. Tremblay s'installe pour le tir sur réception. Le retour, la rondelle. Et encore une fois, on voit il y a combien de joueurs devant le filet. Il y en a un derrière le gardien. Il y en avait un devant qui était quasiment couché dessus. Et le gardien qui est là. Ouais. Écoute, on pourrait demander aux attaquants des Cougars, comme on le fait parfois, d'aller s'installer derrière les défenseurs. Mais là, il n'y en a pas de place en arrière des défenseurs. Tout le monde a des grosses passes. Non, il y a une bonne structure défensive, même en désavantage numérique du côté des Griffons. Là, juste qu'il y a un lancé au but, on converge vers le devant du net pour protéger notre gardien et de s'assurer de récupérer les rebonds. Par contre, on voit les Cougars avoir apporté un certain ajustement. On sait que les défenseurs vont aller très, très bas. On revient vers un petit peu vers l'extérieur. On vient chercher la ligne de tir. Ouais. Bon, on s'est donné quelques chances de marquer comme ça. Là. Pagé qui remet vers Tremblay. Encore 38 secondes à faire à l'avantage numérique. Et c'est Tremblay là, qui dégaine. Tremblay s'amène. Entrée quoi Tremblay. Perce la défense. Il va tirer. A touché l'extérieur du filet. Rondelle qui revient à Talbot qui complète le dégagement. Encore une fois, une poussée de Tremblay. Qui en a fait quelques-unes là, dans cette série. Ouais. Autour de Poirier maintenant. Remet à Dion qui s'est avancé pour appuyer l'attaque vers l'intérieur. Picard tentait de remettre vers son coéquipier. Dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. Encore 4 secondes. Alors, un bon attaque à 5 du côté des Cougars, mais on n'aura pas réussi à marquer. Non, exact. Relance maintenant avec Roberge. On a un mec élevé qui chute. Et là, ben, on a touché son patin. Une feinte de Véronneau. Véronneau remet à la ligne bleue pour Roberge. On replace la rondelle en fond de territoire. C'est repris par la défensive. Et Roberge va s'éloigner devant la pression qu'on mettait sur lui. Là.
McKelvey vers l'intérieur à Clément. Clément regarde de l'autre côté, converte, un tir. Gardien qui fait dévier dans le coin, Véronneau va reprendre. Véronneau là, cherche la transversale, toujours en possession du disque. Un bon bâton de Talbot qui lui a fait perdre le disque. Plouf maintenant, semaine en territoire offensif. On lui soutire la rondelle, on bataille le long de la rampe. Véronneau s'est avancé. Plouf qui a vu la rondelle s'accrocher dans son patin alors que Véronneau lui convergeait vers le devant du filet. Clément va reprendre dans le coin, remet à Véronneau derrière. Véronneau tente de remettre devant, il n'y a personne dans l'enclave, ça va jusqu'à Plouf. Plouf, il va d'un tir. Ça a été dévié, c'est un tir qui passait à la droite du filet. Gardien, toi, et là, ben, lui, on vient de toucher le bout de la jambière. Gardien là-dessus, là, qui n'a pas bougé, tout simplement, est un peu chanceux. Là. Plouf. Plouf, maintenant, contourne le filet. Plouf, remet à la ligne bleue pour Robert. Robert se déplace vers l'intérieur. Un tir, c'est dévié. Et ça, on vient de toucher le derrière du patin de Véronneau. Le gardien était déplacé cette fois-ci. Et là, ben. Vous ne voyez pas Patrick à l'écran, mais je vais te laisser mettre des mots sur ton nom verbal. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il y avait une belle opportunité, un rebond ne sort jamais à bonne place. On dirait qu'elle ne roule pas pour les Cougars, là, pour les retours. Eh bien, à tout le moins, l'effort est soutenu. Ah, écoute, on travaille fort du côté des Cougars pour aller chercher le premier but. Là. Alors, les Griffons qui appellent un temps d'arrêt, puis écoute... Je suis convaincu que Maxime Ménard, présentement, là, doit dire, si on donne un but, ça ira pas bien. Là. Non, exactement. Je pense qu'il veut reposer son groupe de cinq joueurs là, parce que ça fait un petit coup qu'il était sur la patinoire. Suite au dégagement, on peut être en mesure de faire de changement. Donc, je pense que c'est approprié, bon moment dans le match aussi. Oui, puis écoute, on voit encore une fois là, de bonnes chances de marquer de la part des Cougars. Là. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est... Il en manque pas beaucoup pour aller chercher le premier but. Puis je suis convaincu que si on peut aller marquer ce premier but-là, là, on va vraiment virer le momentum de bord. Puis je pense que les Griffons peuvent être un peu plus sur les talons à ce moment-là. Parce qu'on voit, l'entraîneur Ménard, quand même, on voit les mêmes joueurs revenir régulièrement sur la patinoire. Ouais. Là. On sait qu'on doit, on doit pas laisser de lousse aux Cougars là, qui attaquent constamment. Poirier qui est revenu à la ligne bleue, là. Poirier. Remet vers l'intérieur. Grondelle qui, Picard a bien tenté de récupérer. C'est allé un peu trop loin au-delà de la lame de son bâton. Prudhomme s'amène en territoire offensif. Tentait le côté rapproché. Ça va dans le composé. Grondelle qui sera récupéré par l'âme. Tentait de passer le disque en fond territoire. Ça a été bloqué le long de la rampe. Picard qui récupère, remet derrière. Et Picard connaît vraiment un bon match aujourd'hui pour oui, les Cougars. Oui, tout à fait. Il est dans l'action... très régulièrement. On se souviendra, là, dès sa première présence en première période, avec ses coéquipiers, avait passé bien près de marquer. Ouais. Rondette qui est placé en fond territoire. Langlois s'est avancé. Côté rapproché, c'est au vol, récupéré par Cronwall. Cronwall remet vers l'intérieur, c'est repris par Langlois. De l'autre côté, pour Poirier, cherche la ligne de tir, dévié en défensive. C'est Cousineau qui a fait dévier. Rondette qui revient vers l'intérieur, c'est repris par... C'est Cousineau là, qui a remis le rondelle en territoire offensif. Tremblay va s'avancer. Tremblay regarde vers l'intérieur. Et encore une fois, c'est allé dans les patins. Et Cronwall était vraiment très bien placé. La ligne est ouverte. Et encore une fois, ça traverse l'enclave. Dalpé était directement dans la zone rouge. La passe était vive. Et on arrive à percer l'enclave. Là. La rondelle touche les bâtons. Oui, si on peut s'assurer de... Rondelle qui revient vers l'intérieur. Ça a été... La jambière du gardien, mais encore une fois, c'est repris par la défensive. On est venu récupérer cette rondelle de l'arrière. Bon travail de Dion. Alors, on est affamé. On travaille bien en récupération de rondelle. Écoute, les Cougars font rien de mal. Ils ne marquent pas. Exact. C'est tout. Je pense que c'est la même histoire que le dernier match. Là, oui. Ils ont dominé. Ils n'ont pas été en mesure de... Attention, Robert à l'intérieur. Un tir sur réception. Granger qui a fendu l'air. Robert, je reprends. On ramène le disque dans le coin. On remet à Granger, à Véronneau qui pivote, du revers, le retour, pivot encore une fois. Véronneau tentait de récupérer son propre retour. Un tir qui rate la cible. Et là, c'est un feu roulant en territoire des Griffons. Là. Granger, il va d'un tir, bloqué, Véronneau, du revers. Et encore une fois, le bas du filet, on doit le donner à La Fontaine. Le bas du filet est très bien couvert par La Fontaine. Gardien de petite taille. On n'est pas capable d'aller chercher un rebond pour pouvoir le mettre dans le haut du filet parce qu'il s'écrase rapidement, mais il très très bien le bas du filet. Mais donc, aucune chance de deuxième lancer ou de retour qu'on est capable de récupérer, il n'y a absolument rien. Et Patrick,
C'est 11 tirs contre 32. C'est pratiquement du 3 pour 1. Là. Ouais. Mais c'est toujours 2 à 0. Les Cougars qui n'ont pas trouvé le fond du filet. Tir bloqué, Poirier. Poirier qui est de retour à la ligne bleue. Oui, Dominique apporte des ajustements là, pour essayer d'aller créer un peu plus d'offensive. McElvey cède le disque à Sirois transversal. On tentait de rejoindre Picard. On revient maintenant le long de la rampe. Berger vers l'intérieur. McElvey qui a fendu l'air. Rondelle qui est poussée plus loin par Picard. Picard qui tente de protéger la rondelle. Ça reviendra à contre-courant. C'est récupéré par Parent qui remet le disque à Talbot. Talbot s'amène en territoire offensif. Perd la rondelle, vient lui-même la récupérer. Pousse ça en fond de territoire. Poirier va venir reprendre. Remet à contre-courant. Attention là. Rondelle qui va aller jusqu'à McElvey qui évite la mise en échec. Revient vers Berger. Berger pivote sur lui-même. Cède le disque à Poirier. Poirier se met en marche. Poirier en territoire neutre. Poirier toujours en possession de la rondelle. Va placer le disque en fond de territoire. Je crois que ça a été effleuré en défensive. C'est allé dans le filet protecteur. On va donc reprendre en territoire neutre avec 12 minutes 52 secondes. Et les Cougars qui ne peuvent pas vraiment faire plus d'efforts qu'ils le font là. Il faut espérer pouvoir marquer un but. Exact. Cronwall au cercle de mise en jeu. Gagne son duel, mais Tremblay qui a bien réagi. Lanou va placer la rondelle plus loin. Et là, Langlois s'est avancé, lui, pour appuyer l'attaque dans l'enclave. C'est bloqué en défensive. Tremblay reprend derrière, ramène le disque en fond territoire. On reviendra le long de la rampe. Lanou tente de récupérer le disque. Lanou a une rondelle qui revient vers l'intérieur. C'est repris par Langlois. Finalement, la défensive récupère. On revient en territoire neutre. Tremblay reprend le disque et s'amène en territoire offensif. Récupération derrière par Lanou. Lanou qui perd la rondelle. Et attention, là, on va partir avec Clotché. Clotché, un tir. Arrêt de la jambière, du bout de la jambière. Il y a un joueur ici qui a perdu son bâton, c'est Tremblay. Dion va reprendre maintenant. Dion dans le coin opposé. Rondelle qui est récupérée par Prudhomme. Prudhomme qui perd le disque. Maintenant, c'est poussé plus loin. C'est Clément là, qui dirigeait le disque pour lui-même. C'est repris derrière par First Lens qui s'amène en territoire neutre. Robert, je remets immédiatement vers Clément. Placement de rondelle en fond de territoire, c'est en diagonale. Granger va s'avancer et devancer par l'adversaire. Véronneau reprend, tentait de ramener vers Granger. C'est fait là, transversal. Plouf reprend. Un tir, c'est hors cible. Ça va aller le long de la rampe opposée. Bergeron, Robert, je reprends. Remet à Granger. Rondelle qui est placée à nouveau vers Véronneau. Véronneau revient. Un tir, tentait le côté rapproché. C'est allé dans le filet protecteur. On va reprendre en territoire des Griffons. Oui, on vient de voir une dernière séquence. On a encore essayé le haut du filet. On n'a pas touché le filet, mais on voit que les Cougars dominent toujours en troisième période. Ils sont toujours en zone offensive. Et une défensive qui est un peu déplacée là, devant la vitesse des Cougars. Et si on arrive à marquer un filet, on va mettre une petite bûche en dessous de la marmite. Exactement. L'eau va bouillir un peu plus. Et on a vu, malgré tout, une bonne chance de marquer de la part des Griffons où Pagé a sorti la jambière. Clotché qui a pris un excellent tir, mais Pagé a bien, très bien réagi. Roberge maintenant. Roberge se départit de Talbot. Roberge s'amène en territoire offensif. Une feinte. Toujours en possession de la rondelle. La paire tout juste à la dernière seconde. On tente de remettre vers Talbot. C'était Paris qui tentait de rejoindre Talbot. Là, les deux joueurs chutent en fond de territoire. Et là, un jeu intelligent du capitaine qui a ramené la rondelle en dessous des deux joueurs. Rondelle qui revient devant. Puis un tir. Rondelle au vol. Non! Bâton élevé. Bâton élevé. L'officiel qui rappelle le jeu. Ouais. Et on va voir... On va voir juste ici. Ouais. C'est évident. L'arbitre était très bien placé aussi pour bien le voir. Donc, bâton élevé. Écoute, on vient peut-être d'avoir... la petite ouverture, la fenêtre ouverte qu'on attendait du côté des Cougars, parce qu'un troisième but aurait été catastrophique. Tout à fait. Parce qu'il aurait coupé les jambes des Cougars. Écoute, les Griffons aujourd'hui qui marquent à peu près à chaque chance qu'ils ont, presque. Okay. Pas tout à fait juste. Pagé a fait quand même quelques bons arrêts. On a été quand même opportunistes.
qui va le long de la rampe. C'est Martine qui se voit soutirer le disque. On tente de revenir vers l'intérieur à Poirier. Poirier, une feinte. Poirier. Et là, ben, en plongeant, un autre bâton. Girard qui fait dévier. Poirier avait réussi à trouver la ligne de tir. Là. On revient rapidement. Transition, défense, attaque vers McIlvey à 3 contre 2. McIlvey vers l'intérieur. McIlvey qui a tenté de tirer. Perd le disque. Poirier reprend. Remet derrière pour Sirois. Sirois en possession de la rondelle. On cherche l'enclave. On ira en haut de territoire pour. C'est Dion qui est là. Dion, un tir. C'est dévié. Et ça va faiblement jusque dans la bite. Dans le gant du gardien Lafontaine. Qui maintenant. A presque, ben, on est à 50 minutes sans avoir donné de but. Ouais. Et près de 83 tirs. Ben, c'est une moyenne qui n'est pas pire pour un gardien, ça. Ouais. Pendant que Pagé n'a pas été mauvais, là. Ben, quoi non. Que là, on a deux buts en 13 tirs. Ouais. Mais écoute. Il a lancé un but qui a dévié devant lui. Puis le premier, d'après moi, il aimerait peut-être le revoir. Ah, celui-là, oui. Celui-là, oui. Mondel qui est poussé dans le coin, c'est dévié, ça ira dans le coin opposé. Julien va reprendre. Julien est amené sur la rampe. Clément va reprendre le disque. Une passe, c'était pour Véronneau. Une passe qui était beaucoup trop haute. Véronneau était quand même en position d'attaque, mais une passe qui était vive et dans les airs. Alors, c'est ce que j'appelle des passes converties. Ouais. Converties en dégagement. Ouais, donc, on reviendra en territoire des Cougars avec 9 minutes 37 secondes. Et là, ben, on rentre dans la deuxième moitié de la troisième période. Et tout doucement, le temps va devenir une denrée rare. Oui, ça va jouer contre les Cougars. Un tir qui est hors cible. Ben Matan qui est amené en territoire offensif. Clément, revient vers l'intérieur. Clément, un tir! Et encore une fois, l'arrêt du gardien. Mais on a vu, on est revenu de l'arrière à deux reprises. Julien qui a empêché Clément de lancer. Ouais. Disque qui est repris par Dion derrière. Là. Immédiatement, on revient en territoire offensif. Clément, ça va de l'autre côté. On a tenté de rejoindre Granger. C'est récupéré par Langlois qui, encore une fois, appuie l'attaque. Louf, vers Tremblay, un tir! Et encore une fois, Lafontaine n'a pas une grande taille, mais il a une excellente lecture de jeu. On l'a vu encore une fois, là, est en avance sur le jeu. Il était carré par la rondelle. Et il était carré par la rondelle au moment où Tremblay s'est lancé. Il voit très, très bien la rondelle, se place très bien. Il est en confiance. Et il lit très, 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 très bien le jeu. Ouais. Et c'est une des qualités maintenant que dans le hockey moderne, c'est ce que les gardiens doivent avoir, une lecture de jeu, anticiper les séquences, parce qu'ils ne voient pas tout le temps ce qui se passe. Lanoux, dans le coin. Lanoux, toujours en possession de la rondelle, remet à contre-courant. On tente de remettre à la ligne bleue. Et là, ben attention, plouf, perd pied, et on ira à 2 contre 1 avec Paris. Paris s'avance, un tir, on est revenu de l'arrière, rentre dans l'enclave, et on marque. Eh bien, c'est clutché, il y a eu chute. Ouais, défenseur qui est venu... chute de... Plouf, en haut de territoire. Voici le... C'est Plouf qui a chuté. On partira à 2 contre 1. Un tir. La rondelle va revenir devant. Et là, bon, on est encore une fois, gars. Rondelle qui... on laisse le joueur des Griffons fin seul dans l'enclave. Les Griffons très, très opportunistes. Eh bien, contre-attaque qui était... contre-attaque de qualité, on en profite. L'arrêt était fait et ben, c'est ce que les Griffons font très bien. Gardien qui fait le premier arrêt, après ça, ben, il n'y a pas moyen de toucher à la rondelle. Ben ici, Pagé fait l'arrêt et on laisse le joueur en appui fin seul dans l'enclave. Il n'a pas raté sa chance. Poirier s'avance, un tir. C'est bloqué encore une fois en défensive. Je pense qu'il y avait à peu près 75-100 jambes devant le filet. Berger, placement de rondelle en fond territoire. Ça revient devant. McIlvey qui se fait soutirer le disque. Sirois reprend à Poirier. Poirier, une feinte. On revient devant. Et là, McIlvey, une petite feinte, réussit à remettre la rondelle devant. Et encore une fois, Lafontaine réussit à immobiliser le disque. 7 minutes 53 secondes.
3-0 la marque. Et les Griffons qui viennent de prendre une sérieuse option sur la prochaine série. Là. Ouais, la pente est va être très, très difficile à remonter pour les Cougars. Et les Cougars qui, à ce moment-ci du match, est-ce qu'on peut leur reprocher quelque chose? Non, absolument pas. Absolument pas. Je pense que c'est La Fontaine qui... La Fontaine et la défensive? Oui, et la défensive. Leur système défensif est très efficace. Là. Model qui va faiblement encore une fois jusqu'au gardien. On les voit là. La marche cette fois-ci qui s'est rabattue rapidement sur le joueur des Cougars. Cette fois-ci, c'était Laroche qui tentait de se faufiler vers le devant du filet. Écoute, revenir de l'arrière, c'est toujours possible. C'est pas ici que ça aurait été inventé. Mais de la façon dont les Griffons jouent, ça sera pas facile. Et évidemment, ben, avec un troisième but, on voit là, les Griffons qui semblent retrouver des jambes un peu. Oui, exact. D'Alpé, là, on revient sur lui. Sont plus en confiance un peu. Ben oui. Cronwall s'amène en territoire offensif. Cronwall vers l'intérieur. On est en train de rejoindre Laroche. Laroche qui est le long de la rampe. Ça reviendra à la ligne bleue à Dillon. On revient vers D'Alpé. D'Alpé, du revers, vers l'intérieur, disque sautillant. Et encore une fois, c'est le gardien La Fontaine qui immobilise le disque. On la Fontaine a la chance de mettre la main sur la rondelle. Il immobilise le jeu. Calme tout ça tout de suite. Et on va reprendre à sa gauche. 7-21 et écoute, c'est dommage parce que il y a une foule intéressante ici qui n'attend que quel moment d'appuyer les leurs, mais jusqu'à maintenant, dès le départ, les Griffons sont allés, ont sorti la hausse puis l'eau froide. Clément au cercle de mise en jeu, un tir de Granger, c'est à nouveau bloqué en défensive. Ça va revenir vers l'intérieur en territoire neutre, maintenant repris par Tremblay. On revient vers Véronneau. Véronneau pousse plus loin. C'est récupérant défensif. On ramène les Cougars dans leur territoire. Et Bridgie, qui tentait d'aller chercher cette rondelle, a été devancé par Knuth. On va donc... Un petit peu, hein, quand on réussit pas à compter, on s'impatiente un peu plus. On l'a vu sur la mise en jeu. On avait juste à faire peut-être 2-3 pieds de plus, 2-3 patins de plus pour avoir peut-être un lancer qui aurait pu se rendre au filet. Mais on s'est fait bloquer rapidement. Alors, Clément qui se mène au cercle de mise en jeu devant Talbot. Clément qui gagne cette mise en jeu. Tremblay remet en fond territoire. Immédiatement, on a vu la ligne de tir qui s'est fermée immédiatement. Ce qui a forcé Tremblay, lui, à remettre la rondelle dans le coin. Et là, ben, écoute, sans grande surprise, du côté des Griffons, on va tout simplement tenter de briser le rythme constamment des Cougars. On ne veut pas leur donner, justement... Écouler le temps. Oui. Donc là, on est en mode fermeture de match. Exact. Fermer les livres, comme on dit souvent. Ouais. Et Clément va se ramener à nouveau devant Talbot. Avec le même résultat, là, Clément qui a le meilleur, mais on réagit bien. Du côté des Griffons, on récupère le disque. Ça va revenir vers Berger. Berger à Clément. On pousse plus loin vers Granger. On remet vers Berger, encore une fois. Bon travail en défensive. Dégagement. Des Griffons, ça va jusqu'à l'autre bout, mais ça a été touché à la hauteur de la ligne bleue par le défenseur des Cougars, donc le jeu va se poursuivre. Poirier. Poirier va d'une feinte, revient, corridor droit, s'amène en territoire offensif. Poirier freine en haut territoire, remet de l'autre côté, c'est à la faveur de Berger. On remet dans le coin à Véronneau. Véronneau vers l'intérieur, il n'y a plus de gardien. Non. Disque qui est repris par Lanoux. Lanoux revient en haut territoire, on cherche la ligne de tir. C'est fait, et on marque! Un tir et c'est Granger qui fait dévier. Les Cougars inscrivent enfin un premier but. Et on va le voir, on a travaillé ici en fond de territoire. Mondel qui va revenir derrière et là-dessus, ben, on s'éloigne du trafic plutôt que de revenir vers l'intérieur. On va revenir en haut de territoire. Un tir, on voit Granger qui est devant. Va réussir à faire dévier le filet, ouais. Faire dévier la rondelle. Bon positionnement vendu. Bon lancé. Eh bien, c'est ce qu'on attendait ici dans l'amphithéâtre. Enfin un but. Ouais. On va souhaiter que ça va partir la machine du côté des Cougars. Ça se prend la rondelle en territoire des Cougars. Et Poirier. Poirier là, tente de se départir de son adversaire. Revient sur ses pas. Et Poirier va se mettre en marche. Remet à Picard. Picard, laisse la rondelle vers McElvey. Placement de rondelle, en fond de territoire. C'est Sirois qui est là. Sirois, toujours en possession de la rondelle.
Sirois là, tente de revenir sur ses pas, on lui soutire le disque. Ça va aller vers McIlvey, il remet derrière à Poirier, à McIlvey. McIlvey qui tente de protéger le disque, réussit à le faire, remet dans le coin pour Picard, à la ligne bleue pour Poirier. Poirier, il va d'une feinte, revient vers l'intérieur. Poirier cherche la ligne de tir. Poirier, toujours en possession de la rondelle. Regarde vers Dion. Poirier, toujours en possession. À Dion, un tir! Ça a été dévié juste devant le filet. Picard est là. Les buts qui viennent souvent en séquence. Les Cougars qui pourraient en inscrire un deuxième. Là. Un tir, bloquant défensif. On tente de récupérer. Le gardien Pagé qui est revenu dans le filet, lui. Et un tir qui va jusqu'au gardien La Fontaine. Ben, Dominique Desmarais qui est allé le tout pour le tout, mais n'est pas complètement fou. Non, exactement. Donc, enfin, au début, après la mise en jeu en zone neutre, on a pris possession en zone offensive, puis le gardien s'est approché, puis on fait cette attente. Oui, bien, écoute, avec 5 minutes, 2 buts, c'est jouable. C'est jouable. Ouais. Il fallait absolument ramener ça à 2 buts. Oui. Et là, mission accomplie, une première. Tranger. Un tir bloquant défensif par Prudhomme. Ce sera repris dans le coin par le capitaine Paris qui va d'un lob en territoire central. Rondelle qui est allé vers Talbot. Prudhomme qui ne semble pas tout à fait d'accord avec l'appel de l'officiel, mais les joueurs n'ont pas sifflé, eux. Donc, c'est rappelé comme jeu. Et on va reprendre en territoire neutre, juste devant le banc de l'entraîneur Villeneuve-Ménard. Talbot au cercle de mise en jeu perd son duel contre Clément. Clément qui a eu le meilleur sur Talbot au cours des dernières mises en jeu. Rondelle qui revient maintenant dans la rampe. C'est un revirement. Dion, encore une fois dévié en défensive par Talbot. Il y a toujours quelqu'un dans le trafic. Exact. Et encore là. Bien positionné. Bien positionné, mais en même temps, le rebond est toujours un peu favorable parce que on était parti en contre-attaque. Il y a eu un revirement. Et par hasard, Talbot, une enjambée plus loin, il n'est pas dans le trafic. Là. Non, exact. Oui? Exact. Donc, on est toujours un petit peu chanceux sur notre positionnement. On fait notre chance, on s'entend. Oh, ouais. Là. Oh, oui, parce qu'on voit des fois que ça touche des bâtons. Et attention, là, le revirement, encore une fois, c'est passé bien près. Rondelle qu'on amène devant, disque toujours libre. De l'autre côté, c'est passé derrière Verono. Rondelle qui reprise. Pagé est au banc. Attention là. Talbot va y aller d'un tir. Et marque. Eh bien, c'est ce qui va mettre un terme à tout ça. Un quatrième but dans un filet désert avec 88. Eh bien, les Cougars qui, encore une fois, étaient à l'attaque, ont passé bien près de marquer. Oui, on a eu une bonne chance. La rondelle a passé derrière le joueur. Puis par la suite, les Griffons qui ont récupéré. Puis le gardien venait juste de quitter son. Et on avait réussi à ramener ça à 2 buts. Et on a passé encore une fois à 2 cheveux de pouvoir en inscrire un autre. Mais on est à 40 lancés contre 14. Oui. Oui, puis c'est 4 à 1. Oui, exact. Pas sur le bon bord. Oui. Écoute, il y a certainement des partisans de l'Outaouais qui vont être heureux de la situation. Ah, c'est sûr, les, sûr, sûr. Ben les, oui. Les Griffons qui, malgré tout, le disputent un bon match. Là. Pas mal défensif. Ben, il concède la possession de rondelles, mais écoute, les retours pris devant le filet, il n'y en a pas eu. Ils ont bien joué défensivement. Ben, c'est ils ont bloqué des shots. Ils ont été chanceux à certains moments, mais écoute, tu fais ta chance. Là, ben, absolument, dire. Parce que encore faut-il la jouer, cette façon de faire-là. Ouais. Oh, ils ont été patients toute la soirée. Patients. Ils ont dû avoir des opportunités. Alors, Robert qui s'avance, on remet vers l'intérieur. Rondelle toujours libre. Et encore une fois, regarde, on voit il y avait beaucoup de chandails blancs très près du gardien. Ouais. Des Cougars qui convergent vers le banc. On ne peut pas leur reprocher de ne pas y aller. Mais écoute, la défensive qui arrive constamment à appuyer le gardien de but. Et on a retiré, bien évidemment, quand on a retiré un nouveau Pagé, il n'y a rien à perdre. Temps d'arrêt. Cougar. Donc, au moment où il y avait une attaque qui s'installait, qui était un peu soutenue, on perd le disque en haut territoire et dégagement qui a amené le quatrième but. Mais
même le troisième, on se souvient, hein, un revirement dans la fond de la zone des Cougars avec un défenseur qui a nui à son gardien de but, joueur qui était seul devant, qui ont fait 3-1. Fait que, les Griffons étaient très opportunistes. Toutes les fois qu'ils ont eu une opportunité, ils ont réussi à m'en raconter. Et ces opportunités-là, on le sait, là, ils vont venir dans un match. Là. Ouais. Donc, la moyenne va jouer. Et lorsqu'on joue ce genre de match-là où on concède la possession de rondelles, on concède les tirs, mais encore là, on les donne pas directement de la zone rouge, ben ça donne les statistiques qui sont là, là 41-14. Il veut le pas quand un gardien comme La Fontaine qui fait les arrêts. Alors, Paris au cercle de mise en jeu, c'est Poirier qui va reprendre derrière. On tente de placer la rondelle en fond de territoire. Dégagement partiel, on s'est repris en territoire neutre. Poirier qui ne devra pas trop perdre de temps. Là. Poirier remet loin devant. On tentait de remettre à Lanoux pour une déviation, mais finalement, ben, ça a raté. On devra donc ramener le gardien Pagé dans son filet. 3-17 à faire, 3 buts d'écart. C'est pas impossible, mais là, c'est loin un peu, Saint-Anne-de-Beaupré. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, on s'amène au cercle de mise en jeu. Parent qui va s'installer devant Clément. Et on pousse la rondelle dans le coin. Là, c'était prémédité. On a très bien vu Paris, le capitaine, s'avancer. On travaille là vers l'intérieur. Rondelle qui sera à nouveau récupérée par Paris. Paris, permutation, attention, il y a ouverture. Là. On revient vers l'intérieur, un tir. Et bonne chance de marquer de la part des Griffons. Évidemment, ben, l'attaque des Cougars, c'est tous pour un, pour tous. On part par en avant, ouais, puis il advienne que pourra. À 3 minutes, là, on force le jeu. Donc, on doit faire progresser la rondelle vers l'avant. Et évidemment, ben, si on perd possession du disque, il va nécessairement avoir un surnom derrière. Exactement. 3 minutes exactement à faire, possiblement la saison 23-24 des Cougars qui... écoute, la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui sont de retour l'an prochain. Et une défensive là, qui va être extrêmement intéressante à suivre parce qu'on a vu de bonnes choses là, dans cette première série de la part des défenseurs. On n'a pas donné grand-chose. On a été capable d'imposer le rythme. On a distribué de bonnes mises en échec. Donc, on devra capitaliser encore une fois. Là, on voit directement sur les jambières du gardien. Très bien placé, encore une fois, là, le gardien La Fontaine. Dégagement qui sera refusé. Alors, Dominique Desmarais qui en parlait dans son entrevue d'avant-match. De toute façon, dans ce genre de séquence, en allant dans un match décisif, il y a beaucoup de choses à apprendre pour une jeune équipe. Puis c'est ce qu'il faudra retenir parce qu'on ne peut pas reprocher aux joueurs de ne pas avoir donné un effort. On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir tenté de tirer au but, d'avoir compliqué les choses. On a amené des rondelles au filet. On a tout simplement été vaincu par une défensive hermétique. Et c'est pas qu'on n'a pas touché le filet. Là. Regarde, c'est pratiquement du 3 pour 1, 15 contre 42. Et hier et dimanche, c'était 24 contre 50 à peu près. Là. Non, je pense que les joueurs ont joué malgré tout une bonne série. Comme tu dis, là, les Griffons ont beaucoup sacrifié pour jouer très, très serré défensivement. Quand je dis sacrifié, c'est de l'offensive. Ils n'ont pas été nécessairement très à l'offensive, mais à toutes les fois qu'il y avait une chance, ils en ont profité. Et du revers, un plongeon de Tremblay qui évite le cinquième but. On va revenir de l'arrière. Verono qui soutire le disque. Renard Granger qui accélère. Granger, un tir. Encore une fois, jambière extérieure. Et on a tout juste devancé Cronwall. Le filet est abandonné. Là. Mais comme on le dit, gardien fait l'arrêt. La défensive ramasse les rondelles. Poirier, un bon bâton défensif. Talbot encore. Talbot là, qui a vraiment un bon match encore aujourd'hui. Là. Ouais. Joue bien en défensive. Était de quelques attaques également. On revient à la ligne bleue, Berger. Poirier maintenant qui remet dans le coin, c'est pour Verono. Verono remet derrière la ligne des buts, c'est pour Picard. Picard à la ligne bleue pour Poirier pendant que la dernière minute de jeu de cette saison des Cougars vient de commencer. Tir qui est dévié, c'est repris. On tente de revenir côté rapproché. Gardien, lui, qui avec son bâton redirige la rondelle dans le coin. Dégagement qui va aller dans le filet.
Et il y aura attention, là, Granger qui est aux prises avec un adversaire. Et sur la dernière séquence, Mathis Lafontaine aura une passe sur le dernier but, Patrick. Oui, exact. À son arrêt. Donc, non seulement va inscrire sa marque dans cette série qui a été dominant, mais en plus, il verra son numéro inscrit sur la feuille de pointage. Il a joué un excellent match. La Fontaine, en début de match, a fait des arrêts clés qui ont permis à son équipe de prendre l'avance. Je vais regarder en arrière par la suite. Et une foule qui était venue ici, qui aurait pu porter justement les Cougars tout le long du match. Mais comme tu viens de le dire, là, dès la première période, on est venu jeter de nos eaux froides. Et c'est venu assommer tout le monde. Donc 47 secondes à faire. Et on reprendra derrière avec Persons qui remet le disque dans la rampe opposée. Là-dessus, ben, les Cougars qui seront chassés. Donc, on va terminer cette partie en désavantage numérique. Désavantage numérique, Patrick, il y a deux buts là, qui ont été donnés en avantage numérique. Ben, les Griffons ont marqué deux fois en avantage numérique. Donc, avec une pourcentage d'efficacité de 50%. Et ça a fait en gros la différence dans le match. Oui, tout à fait. Donc, les quelques dernières secondes et les Griffons qui vont passer à la ronde suivante. Et la première... et là, ben, quelques joueurs des Griffons qui narguent un peu la foule. On peut avoir le gain plus... Il faut garder l'élégance dans la victoire. Ah, exactement. Et les Griffons qui, à leur première saison, avaient gagné la finale contre les Dragons et avaient, c'était les positions 7 et 9 qui s'étaient affrontées en finale. Alors les Griffons pourraient peut-être encore une fois cette année surprendre, pourquoi pas. En tout cas, une chose est certaine, avec la défensive qu'ils viennent de montrer, la qualité du gardien, s'il demeure comme ça, ben, Il va faire un bout en série, c'est évident. Je pense qu'ils vont affronter le collège Saint-Lawrence en prochaine ronde. Et l'équipe qui va battre Saint-Lawrence cette année là, peut penser aller jusqu'au bout. Parce que Saint-Lawrence, en tout cas moi, les deux derniers matchs que j'ai vu jouer cette équipe-là, là, c'est un défi. Ouais, tout à c'est fait. Tout un défi. On va discuter avec Dominique qui me mentionnait que c'est une des bonnes équipes dans la Ligue avec le filon, évidemment, là, mais un très, très bon système de ben, jeu. Et j'ai beaucoup aimé également ce que j'ai vu des rebelles du côté de Sorel-Tracy. Trois formations là, qui ont démontré de très belles choses. Sorel-Tracy, très discipliné. Ce qu'historiquement, on ne voyait pas de cette équipe-là, mais cette année, là, un bon groupe, de bons vétérans. Et pourrait également surprendre. Les Filons en tête, évidemment, c'est une valeur sûre, une très bonne saison. Mais ce que j'ai vu de Saint-Lawrence, les Lions, écoute, c'est toute une équipe de hockey. Alors, on va voir. Les Griffons auront tout un défi sur les bras. Un gros défi. Ouais. Pour nous, c'est là-dessus que ça se termine pendant qu'on voit là, les joueurs s'échanger une poignée de main. Les vétérans qu'on va saluer, qui vont quitter les Cougars et tous les autres, ben, qu'on va retrouver avec grand plaisir à la fin d'août l'an prochain. Exact. Et Patrick, c'est terminé pour les hommes. Mais vendredi, on est du côté de John Abbott pour le match, deuxième rencontre entre les Islanders et les Cougars du côté du hockey féminin. Les Cougars qui ont pris les devants 1-0, mais une série qui pourrait être longue entre les deux formations. C'est loin d'être donné, cette série-là. On a de l'excellent hockey du côté du hockey féminin. Alors, pour les partisans des Cougars et du collège, je vous invite à suivre ce qui va se passer du côté des dames, parce que les dames qui ont une excellente équipe et donnent un très, très bon spectacle contre John Abbott. Oui, ça va être un excellent match, un deuxième match. Je pense que nous attendons à ce que John Abbott sorte, vont sortir très, très fort chez elle.
Mais à nous de bien réagir. Là. On va se préparer en conséquence. Là. On a eu une bonne semaine d'entraînement. On fait du vidéo, tout le monde s'ajuste pour apporter les corrections nécessaires pour être prêt pour ce deuxième match. Eh bien, c'est là-dessus que ça se termine pour nous. Alors, défaite des Cougars au compte de 5-1. Les Griffons qui passent à la ronde suivante. Et c'est pas volé. Ont très bien joué, sont restés dans leur plan de match, dans leur identité. Ça a bien fonctionné. Ont profité des chances qu'ils ont eues. Donc, chapeau à l'entraîneur Villeneuve-Ménard et à son équipe. Bonne chance pour la suite. Puis les Cougars, ben, pour eux, on salue encore une fois les vétérans, ceux qui vont quitter. Et au plaisir de retrouver, pendant qu'on les voit là, tous au centre, se regrouper. Et on va jeter un coup d'œil justement sur ces images qui... où les vétérans se regroupent une dernière fois. C'est toujours touchant de voir justement ces images où les vétérans se saluent pour une dernière fois. Dernier match. Oui. Et on les retrouve, pendant qu'on voit tout le monde saluer les partisans. Très bien fait. Oui. C'est bien qu'ils prennent le temps de saluer tout le monde. Puis eux-mêmes de prendre le temps de passer ces dernières minutes entre eux, là, parce qu'il y en a certains, comme on disait, qui vont quitter. Exactement. Donc, des moments importants. C'est important de prendre le temps de les savourer, de les vivre. Tout à fait. Patrick, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Rémi. Bonne chance pour... parce que Patrick, je vous le rappelle, qui est l'entraîneur de l'équipe féminine. Donc, les séries qui se poursuivent pour eux. On va vous suivre avec intérêt, évidemment. Parfait. Et au plaisir de se revoir. Yes. À la prochaine. Mon nom est Rémi Meunier, j'étais en compagnie de Patrick Jonca. C'est ce qui met un terme à cette saison des Cougars du côté masculin. Et on poursuit avec les dames. On est en direct de l'Arena Jane Eric Molson de l'Université Bishop à Lennoxville. C'était ce match entre les Cougars du Collège Champlain et les Griffons du Collège de l'Outaouais.